the sands of sweet Cirkonos did we bathe in the sun, sharing grapes from Culero when you were the only one. On the streets of Karnaca, I met you long ago, when the city was so peaceful. And sang until the early ships sailed, and when morning bells rang, only then we exhaled. Now the sands of Cirkonos, they're burning in the sun. We cower in the alleys of streets where we did stroll, while the Duke claims our riches and his firing squads patrol. We run and hide until the evening ships sail. When the night is black, only then we exhale. We'll slip on to a whaler and maybe we'll escape. Thank you.
Attends, il y a la scène qui s'est pas chargée. Ah non. Est-ce que j'ai plus la scène? Il va falloir couper le live. C'est bon, pas d'inquiétude. On est de retour sur Stellaris et j'ai avec moi mes merveilleux et merveilleuses compatriotes. J'ai nommé Prini. Bonjour. Voilà. Ah oui, pardon, excuse-moi. Zut. Oui. Bastel. Oui. Et Bastel encore une fois parce qu'il est, il le vaut deux quand même. Avec son super empire du méchoulache. C'est bien ça, non? Oui, tout à fait. Je vois qu'il a une très bonne mémoire. J'ai demandé à... Attends, pourquoi demande de hot join? Oui, bon, enfin, si vous voulez, pourquoi pas. Ça y est. Là, bah, si l'autre était d'accord. Hein. Exactement. Et après 4 semaines, on va pouvoir reprendre notre super partie de Stellaris, où pour l'instant, personne n'est mort. Étonnamment. On se fait de sauvegarde, point d'interrogation. Hop là. Exactement. J'ai cliqué sur méchoulage, tac. Ok, nous y sommes. Ouf, là, oui, il y avait des... Pourquoi il y a plein de notifs sur mon écran? Ouais, j'ai peur aussi, là. C'est quoi, ça? Ouais, je demanderai une seconde de pause, histoire de vérifier ce qu'il y a. Ah, mais attends, est-ce que j'étais pas disons, en train il faut de... que t'augmentes. Qu'est-ce que... Je crois pas que c'est normal, ça. Moi, j'étais pas sur 30, hein. J'ai pas pu... C'est bizarre, ouais, non, mais ça va peut-être se remettre quand on met en lecture. Oui, c'est probable. Qu'est-ce qui se passe, hein? Parce que là, je suis au niveau d'extension impériale, j'en suis à 155 sur 30. Ça fait un peu beaucoup. Ah oui, moi aussi, tiens, c'est vrai. Mais je crois que c'est juste parce que... Ah, mais t'as vu, le secteur de Pincemille, il est vide encore. Je sais pas, je vois pas grand-chose pour l'instant avec la synchronisation. Non, mais en vrai, je crois que c'est... Une fois qu'on se sera remis en jeu, les améliorations qu'on aura pu débloquer, elles vont se remettre. Voilà, c'est ça, 151 sur 200. Ah, on sent mieux. C'est vrai qu'on était dans une fédération, nous. Eh, mais bientôt, on va monter de niveau dans la fédération, en plus. Bon, alors surtout, reprenez pas tout de suite, s'il vous plaît. Nous sommes en guerre. Oh non. Bah, enfin. Disrupteur. Non, moi, je veux pas être disruptif. Oui, c'est vrai, il y a l'Empire Souterrain qui a déclaré la guerre à la méchoule. Oui, alors attendez, justement, ouais, il fallait justement que je vois comment... Oh, puis là, je dézoome sur cette carte et waouh, c'est intense quand même. Ah oui, vois qu'il y a une flotte de troupes. Ouais, justement, c'est pas une flotte de troupes. C'est des colons, ça. Ah, si, ah oui, c'était ça, il fallait que je ramène quelqu'un pour coloniser... Alors... Que je... 147 et c'était ridicule et on s'était moqué de toi. Ah ouais? Non, c'est les panuries, ça. Attendez. Mais elle est où, la méchoulache? Nars Armada, moi je suis tout au sud. C'est moi l'empire qui fait une grande part du sud, en fait. C'est moi qui touche misant. Et 23... Oui, on a des couleurs très proches. Salut la map. Est-ce que Fighter Club a peur comme la France? Alors là, est-ce qu'on a peur? Moi, j'ai peur du méchoulage, ouais. Vous avez vu cette avancée? Vaisseau de transport, ouais. C'est arrivé jusqu'en Occident. J'avais ramené des militaires. Ok, très bien. Bon. Est-ce que je suis prêt à reprendre? Non, pas encore. Dégradation des renseignements avec les GAFA. Oh bah non. Les GAFA sont infatigables. Les crapauds seront assimilés. Oh bah non. Oh. C'est pas très sympa. Bah ok, c'est cool. Nos réserves sont faibles. J'ai des points de civisme non utilisés, mais quand j'appuie, il n'y a aucun endroit où je peux utiliser des points de civisme. Réforme de régime. Mais ça coûte d'influence, j'ai pas ça. Ça coûte d'influence, oui, t'as pas d'influence. Projet en temps limité, ça en temps. Tu peux choisir du coup une troisième civisme. Et elle est où, mon arme? Bah non, du coup, je peux pas. Ah oui, et l'idée c'était que en fait je pouvais pas me poser sur la planète moi-même. Tu peux poser tes troupes. Après avec mes destroyers et mes corvettes, quoi. Ah oui, mais c'est des marins, c'est pas des. Violents. Ouf. Il y a des propos dans le chat. Ouais, je lis ça. Hein. Je pense que le méchoulage ne serait pas ravi de lire ce genre de déclaration.
La meilleure défense, ouais, tout à fait. Bah écoute, nul doute que si la personne qui contrôlait le méchoulage lisait ces lignes, elle serait sûrement extrêmement vexée. Mais bon, heureusement, tu vois, ce n'est pas le cas. C'est sûrement une IA qui contrôle ce genre de choses. Oui, bon, c'est... Bah écoute, en ce qui me concerne, on peut reprendre, je pense. Faut que je regarde. Pour moi, c'est bon on aussi. On mais très lentement, du coup. Pareil, pareil, c'est ouais, bien. Ouais, très bien, on y va tout en douceur. Il est fédéré, le salaud. Mince, mon gouverneur est mort. C'est embêtant. Oups. Qui a fait ça? Qu'est-ce qu'il est en train de faire, lui? Pourquoi il prend son temps, là? Ah oui, il doit être en train de rechercher des trucs. Eh bah écoute, tu vas attendre un peu avant d'enquêter. Hein. J'avais pas des vaisseaux de cons quelque part complete. Ah bah si, il y avait des vaisseaux de cons. Ok, très bien. Ouais, non, en vrai, la méchoulage, c'est vachement strong au niveau de l'étendue des... du territoire, je pense que je suis pas dégueu. Alors, on fait du coup... avec les chômeurs encore. Les chômeurs. J'ai un chômeur chez moi, c'est inacceptable. Il faut leur traverser la rue. Ah, pareil, ça va être embêtant. Il faut faire du travail. Alors, on a Prini qui joue le royaume des champignons. On a au nord-est l'empire démocratique de l'anomonde par Zut. Ensuite, au sud, le méchoulache par Bastel. Et moi, je m'occupe modestement de mon Maigrevis Aquatic Park, qui contient aussi, il me semble, le marché galactique, si je dis pas de bêtises. Ouais, donc, je crois bien. Vive la thune. Cerveau galactique. J'aime l'argent. Ouais, par contre j'aime pas trop les personnes inemployées, malheureusement, bah il y en a aussi. Si je pouvais les envoyer au méchoulache. Oh, attends. Qui tape qui là? Ah, il y avait des mecs à engager ici. Je suis en guerre là, enfin. Non. Non, non. C'est ta guerre, non? Enfin, non, c'est moi, encore autre chose. Moi je vois des guerres, mais je sais pas si je suis dedans ou pas. Ah bah si tu vois la guerre en bas à droite, c'est que t'es dedans. Agresseur méchoulage contre Subterranean Empire. Ok. Et ça, ouais, c'est, ça la... c'est la première guerre. Ah oui, ça c'est ta guerre deuxième, ensuite. Voilà. Et ça c'est l'entente contre Cormatanienne machin. Special project complete. Oh, les atouts fédéraux sont désormais activés, oui. Émissaire disponible plus 1, oh oui. Bon, on affecte un mec. Ah non hey, ah oui, ah non. Ou quoi, là bah, je suis un peu déçu, il est pas là, mon émissaire. Il est parti. C'est proprement honteux. Oh là là, j'ai tout déboîté avec mon... Trace de composants, petit laser coupant, propulseur ionique. Faut créer de l'emploi clairement. N'importe où. Ouais, bah plus sur la première terre parce que c'est foutu. Il y a plus de place. C'est quoi la fédération de méchoulage, une hégémonie? Alors, voyons voir. Démocratie directe, méchoulage. Ah bah non, les reptiliens sont des gens très respectables. Pardon. Dire le contraire, c'est... C'est déclarer la guerre aux reptiliens, en fait, un peu, d'une certaine façon. C'est vrai, c'est vrai. Et vous voudriez pas déclarer la guerre aux reptiliens, parce que vous êtes des gens bien. Améliorer mes défenses face à Bastel, en préventivement, mais bien sûr. On est une fédération, on est potes. Hein. Pour l'instant. Ah oui, c'était ça que je voulais... Oui, ok, c'est parce qu'il y avait... Ok. J'ai compris pourquoi j'étais en train de me battre, en fait, contre ces mecs-là. Tout Dubaï. Bon. Alors, est-ce qu'il y a du monde qui est arrivé sur le foutu système? Pas encore, hein, ils sont lents.
la flotte de transport là, les flottes de transport. C'est pour ça qu'il faut que je fasse des préfectures dans mon immense empire. C'est très important. Si je veux pouvoir déployer des flottes à tout endroit, à tout moment. Une union toute simple, mais que c'est nul. Qui est venu avec cette idée? Pire, qui a validé cette idée? Ah, ça... Le comité exécutif, lors d'une réunion... La composition du comité exécutif reste secrète afin d'éviter toutes sortes d'influences, de pressions comparables à celles que nous lisons actuellement dans le chat. Exactement. Voilà. Oh, mais non, il faut encore que je... Alors, est-ce qu'on peut vendre ces populations au chômage, au marché aux esclaves? Mais et vous avez pas voté justement l'interdiction du marché aux esclaves? Mince. Ah bah oui. Ah bah maintenant ça fait... c'est dommage, hein. Maintenant j'en ai chômeur, j'aimerais bien m'en débarrasser. Mais c'est terrible ce que j'entends là. Rebelles de la Union Civile de Kobar. Oh, c'est marrant, il y a des rebelles au sein d'une formation et du coup... T'as genre une enclave à l'intérieur du grand pays tout autour, enfin du grand système. Très bizarre. Bon allez, là il est temps de récupérer ce pour quoi on était venu. Ok, donc là maintenant avec notre petite crotte, hein, je crois qu'il nous reste encore. Essaim de Sulcor à récupérer. Sérieux, je peux rétrocéder le contrôle d'une base, mais je comprends pas l'intérêt en fait. C'est fou, on est en train de perdre la guerre contre l'Empire Souterrain. Quoi? Quoi? Non, c'est faux. Si, à 1% près, on perd. Mais non, c'est l'attrition. C'est la fatigue de guerre, les pourcentages. Et donc, plus le pourcentage est élevé, plus on perd? Oui. Oh bah ça va ça. C'est large, j'ai encore le time. Bon, moi j'étais là pour faire quoi déjà? Hop. Eh oui, je n'ai plus de bloqueur. Pourquoi j'en profite pas? Mais comment je suis censé savoir que je peux profiter du fait que j'ai plus de bloqueur? Il faut que je fasse quelque chose en particulier? Construire des districts. Ouais, mais il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. On est plein à Pincemi. Mais t'as fait trop de districts d'habitation. Regarde, t'as 33 logements libres et 5 métiers libres. Bon bah ça dégage alors. Il me faut de la thune. C'est un spécialiste là qui est au chômage. Comment ça, envoyer un vaisseau ouais. Scientifique avec un scientifique à son bord pour reconnaître la planète? Mais t'as pas besoin de faire ça, si. T'es obligé de faire... Je suis obligé d'aller reconnaître la planète que j'avais avant de l'Empire Souterrain pour... avant de... d'aller la voir, je comprends pas. Bah, elle a peut-être changé entre-temps. Ouais, non mais bon. Les flottes de transport, là, les militaires que j'ai ramenés, là, qu'est-ce que je peux en faire? Enfin, comment je fais pour reprendre la planète? Ben, tu cliques droit sur la planète. Ah oui, poser les armées. Il y a un vaisseau du royaume champignon qui vient d'arriver à Sigma Boss. Ah mais l'explore. T'as vraiment appelé. Oh mais c'est terrible ce que j'entends là. Mais je m'en souvenais même pas justement. Putain. Situé juste entre Pincemoi et Bastelland, on a Sigma Balls qui contient c'est... pas grand chose. Non mais moi je veux rien savoir sur Tu peux venir visiter quand tu veux, Bastel. Ouais. Sigma quoi? Oups. Vas-y, j'écoute. Non, bah Sigma Prime, voilà. Je crois que c'était ça le nom et du coup j'ai rajouté Balls avec. Ouais. Oh purée, bon sang. Non mais très bien. Upgraded. Je prends bonne note. Est-ce qu'il me reste encore des trucs à faire avec mon vaisseau scientifique?
Ah tiens, un membre a intégré la communauté galactique. Bon alors, je sais pas trop comment ça se passe ces histoires d'invasion en fait. Tape dans l'art. Ouais, mais justement, j'ai... Ah, mais je crois que mes armées vont peut-être tout simplement mourir, je sais pas. Le truc, c'est que j'arrive pas à voir... En fait, je comprends même pas quelle défense ils sont supposés avoir ou quoi. J'espère que tout le monde vote non pour la loi sur les anges gardiens. Ah, moi j'ai voté non, ouais, mais... C'est bien ça. Je sais pas sur quoi j'ai voté il y a 4 semaines. Il est encore temps de faire machine arrière. Bon bah je sais pas, je vois l'armée de moi, je vois mon armée en train de se faire bananer petit à petit, mais ce que je comprends pas c'est que j'arrive pas à voir quel combat elle mène en fait, ça c'est débile. Si, normalement tu le vois. Non. Là, tu vois pas le nombre d'unités qui sont en combat, le nombre qui sont retraités, le nombre qui sont en réserve. Je vois la puissance qui diminue petit à petit, mais c'est tout. Hein. Mais si tu cliques sur la planète, tu peux voir le combat. Alors, hop, je clique. Non, suppression des hallucinogènes. Non, je vois juste... Nous sommes parvenus à envahir passage. Ah bah ok, voilà. Sur le tab armée, normalement, je suppose. Victoire. Bon bah très bien. La guerre est terminée, tous les à vrai dire. Oh là là, l'univers est assurément impitoyable. Bravo, je sais pas ce que t'as fait, Bastel, mais t'as réussi. C'était énorme. Il a tué des taupes. C'est à peu près ça, ouais. Si tu veux, Lama, tu peux juste mettre l'image sur le général. Moi, normalement, c'est mis en, au cas où. Monde relique, je crois que mon seul monde relique, c'est... Prini Prime. Ouais. Ah non, c'est un monde... Ah si, c'est un monde relique. Ouais, je sais pas trop quoi faire dessus. J'ai un déficit énorme partout, mais... Tout va bien. Enlarge your déficit. Et pas qu'un peu. Contact ennemi ou ça? Oh merde. Je sais pas quoi faire de mes vaisseaux scientifiques maintenant. Ils sont trop malins pour moi. T'as déjà tout fait? Oh bah écoute, tu sais, c'est pas... Mon système n'est qu'une toute petite chose en fin de compte. Tes vaisseaux scientifiques, tu peux les envoyer sur un endroit où t'as de la recherche scientifique et les faire aider à la recherche. Bon, j'ai cliqué sur projet de recherche dans le système, comme ça au moins. Mais tu les avais pas fait, les projets de recherche? Bah si, je crois. Sûrement, hein. Bah pourquoi alors t'as pu cliquer sur projet de recherche? Ah, sûrement parce que je l'ai fait, mais que voilà, c'était pas... Il y en a eu de nouveaux depuis. Voilà. Bon, en tout cas, pour le coup, ceux qui vont pas chômer, c'est les vaisseaux de construction. Mais comment t'as assez d'influence pour faire tellement d'avant-postes à une vitesse aussi effrénée? Oui, toi. Plus 4, c'est tout, plus 4,93 d'influence, c'est même pas tant que ça, c'est juste que bof. Ah bah c'est ta faute, Misan, t'avais tout le temps suppression des trucs politiques là activés, du coup t'avais zéro influence. Hein. Oui. Oui, voilà, c'est de la faute de Misan tout ça. Ouais, ouais. Oh, amélioration des bases en forteresse stellaire, ça a l'air strong. Hein. Oui, c'est vrai, ça, Bastel. Je peux communiquer avec vous, bah très bien, qu'elle le fasse. Ah, tu viens d'apprendre comment faire une forteresse stellaire, c'est ça, Bastel? Non. Oui. Leader décédé, mais vous avez fini de crever? Oh, béatitude chimique, je sais pas ce que c'est, mais vu que c'est une technologie rare, j'ai très envie de l'apprendre. Les conditions de vie de la béatitude chimique, bah allez, hein. C'est bien ça, Suriket? Toi qui connais toutes sortes de trucs. Research complete. La béatitude chimique, c'est manger des drogues. Ah bah parfait, qu'est-ce qu'on attend. Miam miam. Qui est en train de gagner la guerre? C'est nous ou c'est eux contre les Kormatani et les Haut-Noirs et Xénon et ça? C'est moi. Ah. Eh, on est une entente, on est plusieurs, non? On partage les... On collectivise les victoires aussi. Ah mais voilà, mais aussi... Ça c'est vraiment une...
Enfin bon. Écoute. Amélioration possible, parc administratif. Oh. Ah oui, mais j'ai pas les ressources pour. Emploi de bureaucrate plus 4. Oh putain. Oh, ça, ce serait magnifique. Comment tu fais pour collecter les ressources qui ressemblent à des balles? Moi, je sais pas comment, c'est, comment le décrire, mais. En gros, il y a un, une amélioration. Ben, il y a une recherche. Groupe. Très bien. Merci pour cette précision. Ensuite, bon, allez, on part. Construire les trucs qui font. Qui récupèrent les balles. Est-ce que. Ah, ça, Jamine, est-ce que c'est pas là où j'avais une colonie à la base? Non, je sais plus. Putain. Il y a que Misan qui a la screen, du coup. C'est oui. Bon. Partage la screen. Bah, y a beaucoup de choses, hein. Il y a une production de 603 d'électricité, 106 de recherche scientifique. Et après, j'arrive pas à lire. Solide. De quoi tu parles là? Attends, c'est un screen que je vais vous envoyer justement de Lama. Alors, hop. Oh. C'est un monde relique justement qui ça carbure au niveau des choses dedans. Bzz, bzz. Alors où est-ce qu'elle va se faire réparer la flotte? Elle va aller à Savassi. Ouais, d'accord, ok. Et c'est vrai que j'avais des trucs quand même par là. J'avais une station et tout. Ouais, c'est solide les mondes reliques. Bon, moi, si Chanel Général veut pas, tant pis. J'ai montré de toute façon aux collègues. Très bien, très bien. Bon, ça massique, je pense qu'ils vont aller rester glandés sur la base. Ah, des centres scientifiques, ça a l'air très bien ça. Oh là, mais il y a 30 000 planètes à reconnaître par ici. Bon, du coup, Misan, oui. On est d'accord, notre frontière là, du côté de entre Rivac et Occident, on n'est pas obligé de la blinder, on est potes. Oui, bah écoute, si tu fais abstraction de ma forteresse stellaire là-bas, oui. Donc elle est déjà blindée d'un côté. j'ai pas attendu ta proposition pour faire une station, en tout cas la forteresse, je l'ai pas encore améliorée, mais. Bon, bah, vu okay. Le nombre, attends, il y en a combien? 1, 2, 3, 4. Non, mais moi aussi, combien que. 4 portes. Oui. Et. Non, attends. 1, 2, 3, 4, 5. T'as 4 portes et 5 trous de verre. Oui, il y a beaucoup de choses. Et en plus, c'est bien, il y en a un qui passe de tout au sud à tout au nord. Je peux me barrer super vite. Crée une colonie pénale. Ah, ça y est, les bons projets. On va se faire plaisir. Alors par contre, un truc, j'ai récupéré ma colonie, du coup, là où il y avait passage. Ils appellent ça un monde technique, et je comprends pas du tout ce que ça veut dire, en fait. Comment ça, voter? Ça veut dire que la priorité est mise sur l'électricité. D'accord. Et pourquoi est-ce que, admettons, genre mes trois planètes que j'ai, elles sont liées à Flouch? Et celle-ci, elle est à part dans le gestionnaire. Elle est trop loin. Ah putain, donc il faut que je crée un nouveau secteur. Oui. Ou que tu ne crées pas de nouveau secteur. Est-ce qu'il vaut mieux créer un nouveau secteur ou pas créer de nouveau secteur? Je crois pas qu'il y ait de raison de ne pas le faire. Donc je vais le faire. C'est juste que du coup, ensuite, faut que tu mettes un gouverneur, des
Il croit au gouverneur, il coûte de l'argent, mais c'est négligeable. Très bien, hop, alors. Gouverneur, espérance de vie. Ah non, capacité administrative des bureaucrates plus 10%. Moi, je veux un gouverneur qui soit capable de. Voilà. Hein, qui fasse plaisir aux fonctionnaires. Ok, bah je te remercie. Et pour fêter ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des holothéâtres. Ah, je les avais déjà fait. Bon, bah, du coup. Mais sinon, ouais, Bastel, t'inquiète pas, c'est pas nécessaire. Ah, très bien. D'armer plus que ça, j'ai pas des ambitions. Comment on peut dire ça? J'ai pas d'ambition, d'accord. Voilà, ouais, j'ai pas d'ambition de ce côté-là du sud. Parce que de toute façon, bah, je peux plus y accéder maintenant. Ouais. Bon. Moi j'ai toute confiance en toi, le jour où on va se battre, t'oublieras pas qu'on est quand même potes, hein. Mais je te conseillerais de faire un peu plus de flotte alors, parce qu'apparemment ta puissance est inférieure comparée à la mienne. Faible. Ouais, mais on est toujours potes, non? Oui, non mais moi, comme je te dis, je compte pas te taper dessus. J'avais mis le poste là parce que de base j'y touchais pas et je pensais qu'il y aurait eu un PNJ qui passerait par là avant toi. Mais bon, bah maintenant qu'elle est là, forteresse, je vais plus l'enlever. Tout à fait, tout à fait. Après, libre à toi de me croire ou pas, bien sûr. Non, bien sûr que je vais te croire. On va pas. On n'est pas des sacs ici. Former le Conseil Galactique, il n'y en avait pas encore? C'est quoi ça? C'est le Sénat Galactique? C'est le G5. Ah, composé de 3 membres seulement? Ouais, ce sera qui? Bah c'est un G3 quoi. C'est à la majorité. Putain mais j'ai des pop inemployés dans mon Ah mais si, attends, là ça y est, je peux le faire en parc administratif. Oh mais c'est énorme ça. Putain, je suis tellement content. N'imaginez même pas la satisfaction que c'est de donner un meilleur environnement de travail à des fonctionnaires. Béatitude chimique. Oh, créer une colonie pénale. Ah, ça y est, t'as vu ça aussi, Bastel. Ah non, pardon, je vais prendre la bureaucratie galactique, autant pour moi. Oh, pas drôle. Ouais, non, mais écoutez, je mène toutes les recherches liées pour une administration moderne. Tous. Voilà tout. Putain, je sais toujours pas quoi construire, en fait, hein, dans mes trucs... Administration planétaire, oh là là, que c'est beau ça aussi. Pourquoi je peux pas le construire? Ah, parce qu'il n'y a pas assez de pop, putain. Croiser, multiplier. Plus vite. On va faire un bastion du coup. Ah, mais je savais déjà faire des forteresses depuis bien plus longtemps, je peux même faire des citadelles maintenant. Bon, Bastel, wow. Est-ce que tu veux que j'améliore encore plus du coup notre point de rendez-vous? Ouais. Mais tu sais que tu peux en faire des carrefours commerciaux, genre des vrais trucs sérieux. Ah, c'est déjà un carrefour commercial. Bon bah, faut en faire un plus gros carrefour commercial. C'est. Oui. Pourquoi j'ai un vaisseau de j'avais 3 vaisseaux de construction. Ah non, j'ai pas regardé la bonne. C'est quoi ça? Putain, non, ouais, ouais. Je suis vraiment un sac. Hein. Sur l'étendue du territoire, c'est juste ridiculement grand. Le jour où je vais me prendre une guerre, je compterai beaucoup sur vous. Bien entendu. Mais bon, tu sais, je pense que c'est un peu comme la Russie. Les mecs savent très bien qu'ils peuvent pas défendre chaque centimètre carré de leur territoire. Mais bon, bah, ils se disent, personne n'osera nous attaquer, on est tellement gros. Facilité régulatoire. Ah. Tiens, il y a des trucs pour lesquels j'ai pas encore voté. Former le Conseil Galactique. Ah oui, c'était le G3 dont vous parliez. Ouais. Bon, ouais, je vote oui, bien sûr. On va se faire rouler dessus, apparemment, quand il y aura une crise. Soutien aux déclassés. La pénalité de mécontentement des chômeurs est réduite de 10%. Oh, bah oui, soutien total et inconditionnel. Hein. Pénalité de mécontentement. Et ça fait juste baisser de 20% le poids diplomatique. Mais ça m'étonne qu'on soit niveau 2 de notre fédération et qu'on ait quand même pas l'émissaire bonus, ou alors c'est que j'avais droit qu'à un seul et que maintenant j'en ai deux, mais je suis quand même surpris. Oui, c'est vrai que moi...
J'en ai pas 4 en tout maintenant. Donc, les diplomates de Suricat sont particulièrement expérimentés. Je sais pas, moi il y a écrit que j'en ai 9. Oui, bah écoute, voilà. 9 hein, écrit d'où ils viennent. Ouais, non, mais oui, ça va, s'ils sont que 9 aussi. Ah, mais c'est. C'est peut-être que Zut en fait qui en bénéficie et nous on lui file en fait des émissaires depuis tout ce temps. Non, c'est une fédération égalitaire et tout. Ouais. Une fédération égalitaire. Ouais, moi j'ai entendu ça aussi. J'ai entendu parler. C'est qui? Ah, c'est moi. Ok. Tiens, tiens. Oui. La présidence tourne. Hein, Ah bon? La présidence tourne. Entre moi et moi-même. C'est une rotation, il y a écrit. Tout à fait, ça tourne clairement, ouais. Un peu comme. Ouais. Les mails. Comme les autres trucs qui tournent, ouais. Oui, bah tiens, allez, pas enquêter sur cette anomalie, de toute façon, y a rien de mieux à faire là actuellement. Ok, c'est le bordel à Sigma Balls Prime apparemment. Je sais pas qui est passé dernièrement, mais tout le monde est très mécontent à l'intérieur, ça se bastonne. Moi j'aime toujours autant ton monde planète, hein. Y a pas à dire, il est quand même très bien trouvé. Ça va pas là, qu'est-ce qui se passe? Vite. Le peuple de primitifs sont en train de se mettre sur la gueule. Ah non, c'est même pas les primitifs, c'est ma colonie. Oh merde. Oh non. Ah, c'est pas bon. Bon, que faire quand il y a des chômeurs et que... Enfin, tu peux pas les envoyer ailleurs, non? C'est proposé de les vendre, on a interdit. Oui, alors c'est pas exactement ce que je souhaitais faire non plus aussi. Moi, je suis partisan du dialogue, hein. Oui, oui, oui. Ah, le fameux dialogue social. Bah, oui, naturellement. On n'est pas des sauvages. Mis en vitesse normale. Alors, notre gouverneur a développé de nouveaux traits. Oh, putain, et en plus, il construit tout moins cher. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est un vrai situation updated. Ok, c'est la folie furieuse. Tout commence à s'effondrer. Situation log updated. Mais pourquoi ils ont fait ça chez toi? C'est une bonne question. Commercial avec misant. Je sais pas. Pourquoi ils sont bizarres? Qui a foutu la merde? Et fait le projet de spécial. Bah oui, mais il est où? Débordement sauvage. Mais t'étais dedans. Débordement sauvage. Clique dessus. Mais je. Ah, ça, oui, c'est caché par un autre truc. Special project complete. Les chômeurs se déplacent tout seuls vers là où il y a du travail. Ah okay, bah parfait. Ça c'est bien ça. Hein. Ouais mais ils mettent du temps, hein, c'est chiant. Insérer ici une analogie avec le monde réel, comme quoi ça marche vraiment pas dans la vraie vie. Le portail dimensionnel de Sigma Balls Prime semble mener dans un plan fondamentalement contraire à l'esprit de raison. Tout contact avec les matériaux provenant de cette dimension cause une intense souffrance qui, si elle dure plus que quelques minutes, pousse... au désir de se suicider en même temps qu'à s'automutiler les organes d'essence. Même la simple étude des données enregistrées dans cette étrange dimension cause un grand inconfort chez les observateurs biologiques et des erreurs en série dans les systèmes informatiques. S'automutiler les organes d'essence. Genre le mec en fait c'est Antoine Daniel, ils ont envie de se tabasser les boules. Exactement. C'est terrible ce que j'entends là. Alors est-ce qu'on va l'étudier ? Pour en faire une arme ou bien on va fermer ce portail? Je suis pas sûr que t'arrives à l'étudier en fait, surtout. Ah, faut que tu l'étudies, ce sera plus drôle. Allez, on va l'étudier. Prohibition du commerce des esclaves. Conscient. Special project complete. Accueil de tous les réfugiés. Oh, mais vous voulez quand même pas. Ah, il faudrait qu'on déclare les illégales les purges lancées contre une espèce entière. Est-ce qu'il y a moyen qu'on fasse ça? On sent une purge. Non, mais justement, dire qu'on a à dire qu'on les fait pas. Alors, réfugiés. Ships upgraded. Refugees welcome. Hop. Et qu'est-ce qu'on disait? Purge. Purge prohibée. Voilà. Comme ça, ça fait monter. Ah, voilà.
les aliens soutiennent mes positions maintenant, ils sont très contents. J'espère que vous êtes contre la charte des droits des travailleurs. Hein, ouais, ouais, sûrement. Ouais. Nickel. On peut améliorer la flotte, et bon, on va l'améliorer la flotte. Hop, hop. Non, j'ai pas vu en quoi exactement il y avait un problème, mais je ne doute pas que si toi tu le si. Mais il dit ça, mais il vote pour. Moi? Moi? Non, Mizan. Ah, oh, ouais, non, mais Mizan. Non, non, j'ai pas voté pour la charte des travailleurs. Enfin, voyons, c'est totalement faux. Vous n'avez aucune preuve, si ce n'est ce bout de papier là. Bon, non, non, attends, bah, je vais regarder parce que. Non, je vote non, moi. Charte des droits des travailleurs, jamais je vais voter pour, t'as du mal voir. J'ai voté inscrit dans les supporters. J'ai voté pour les facilités régulatoires pour l'industrie, mais les travailleurs en eux-mêmes, jamais. C'est grave la charte des droits des travailleurs. Non, c'est très bien. Non, c'est très mauvais. Moi j'ai voté pour. Poids politique des ouvriers plus 10%, basta, tu te rends compte? Si t'es industriel, tu fais plus rien. Après, t'auras grève sur grève, et les gilets jaunes, ça sera une vraie menace. Ouais, mais imagine si c'est. Hein? Ouais. Ah oui, oui, vu comme ça. Quand même, faut y penser, quoi. Non, mais. Moi, j'aime bien les travailleurs parce qu'ils donnent de l'influence. Hein. Accord de recherche avec les Immortals, c'est bien les accords de recherche? Oh putain, bah, mais non, mais. Ça coûte de l'influence si c'est toi qui les proposes, je sais pas si ça t'en coûte si tu les acceptes. Je vais refuser en plus parce que je peux pas apprendre grand chose alors que lui il va tout me voler. Ah, les démons cobariens Commonwealth qui disposent de un territoire consent à m'ouvrir ses frontières, bah, ça fait plaisir. Pacte commercial, mais non, arrêtez. En plus, je vois bien, vous m'indiquez clairement que ça va être avantageux pour vous et pas pour moi. Alors. Bon, alors. Les cobariens ils veulent une ambassade incroyable. Très fort, mais. Ah, bureaucratie galactique. Oui, ça c'est bien. Capitole planétaire. Ah, mais attends, non, ça c'est bien. Non, non, tout va bien, tout va bien. Hop là. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Hop là, projet de recherche. Non, franchement, je suis content de la taille de mon empire. Et les postes d'observation, j'ai toujours pas compris à quoi ça sert, mais ça a l'air cool, donc j'espère que c'est bien d'en faire. Incoming transmission. C'est génial. Ah, voilà qui fait plaisir à entendre. Mais j'ai fait un endoctrinement sur mon poste d'observation, c'est ok ou pas? Je sais pas ce que... Moi, je bah, ça va être tranquillement endoctriné, du coup. Et attends, un endoctrinement... Poste d'observation... Ah oui, c'est que tu regardes... Ah oui, ok. Observation agressive, endoctrinement. Oui, bah, on va les pousser à devenir fonctionnaires, quoi, c'est cool. J'ai mis ce clic. Oh non, j'ai utilisé toute mon influence pour une relique, parce que je pensais qu'en cliquant dessus, je pouvais voir ce qui se passerait. Mais en fait, oui, je vois ce qui se passe, mais ça me laisse pas le choix, maintenant. Du coup, j'ai une relique qui fait que mes vaisseaux sont 40% plus efficaces, sauf que, bah, j'ai pas de guerre. C'est malin. Et maintenant j'ai plus d'influence. Oh, nous avons analysé. Oh, avancée de 10%. Ah, mais trop cool ça. Ça fait. Analyser les débris, c'est trop bien en fait. Faut que je fasse ça plus souvent. En plus, il analyse ça en 2-2. D'observation ici. Bon, en tout cas, je suis très content de la tronche que prennent nos empires. Mais Prini, tu te sens pas un peu à l'étroit quand même? Non, ça va, ça va. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un peu du, il y a du monde un peu partout là. T'as deux empires déchus sur chaque côté. Ouais, mais c'est mes amis au fond. Ouais, et puis t'as un voisin encombrant au sud aussi. Il y a un secteur que t'as pas touché étrangement, peut-être parce qu'il y a 98,54 troupes dessus. J'essaie de mettre des gens et ils m'ont dit de suite arrêtez, on vous attaque. Je suis d'accord, pardon messieurs. Quel secteur
Ah oui, celui qui s'appelle Anaconus, là où... Ouais, ils m'ont dit non, arrêtez, donc j'aurais obéi. Ah, ouais, bon, effectivement. Council of Robotic Science. Ne permettra pas que les autres empires aient un niveau... comment tu fais pour voir si les autres empires ont un niveau technologique supérieur au tien? Tu cliques sur leur capitale, histoire de voir leur bonhomme. Ah non, c'est pas leur capitale. Comment j'ai fait, moi? Si, attends, je crois que j'ai fait ça. Moi, je clique sur ta capitale, je vois ton profil de joueur, et je vois que, par exemple, puissance de flotte, tu es pathétique, en niveau technologique, tu es inférieur, et en économie, tu es équivalent. Voilà. C'est pas mes mots, hein. Navigation subspatiale expérimentale. Ouais, écoute, je vais essayer de faire en sorte que ça change un peu, hein. Habitabilité plus 5%, c'est bien, les habitabilités. Non, mais c'est trop cool d'analyser les débris. J'aurais dû faire ça plus tôt. Du coup, Zit, il y a une raison au fait que t'es tellement d'ambassadeurs et... Enfin, d'émissaires et pas nous. J'ai plus d'incivisme. J'ai plus un parce que je suis xénophile. J'ai aussi construit un complexe d'ambassade qui me fait plus deux. Ça fait déjà plus cinq. Oh, et on va gagner la guerre. Ça doit être des recherches. Eh ben. Incoming. Non, mais c'est trop chouette, l'attrition est maximale là chez les mecs d'en face. Ouais, il faut que je me dépêche de faire mes claims d'abord. Ah oui, forcément. Avant la fin. Bon, en tout cas, je suis très content. Je crois que j'ai quasiment tout. Tout ce qui est méchoulage commence à être clairement couillu. Le voisin qui est juste au sud, il est vraiment pathétique sur tous les points, Bastel. Moi ? Non, pas toi, celui qui est au sud de chez toi. C'est ton voisin juste au sud. Hein. Tu veux dire Cobar ? L'Union citoyenne de Cobar, il est vraiment pourrave de chez pourrave. C'est dommage qu'il soit notre associé, sinon j'aurais pu lui rouler dessus. Pourquoi c'est notre associé déjà, en fait? Bah j'en sais rien, moi j'ai dû accepter un moment parce qu'on m'avait dit tu fais. Son union est en train de se casser la gueule, il a trois clans dissidents qui sont chez lui là. Ouais, mais ouais. Un trading coalition, une alliée Dominion. Et accessoirement, le mec ça fait depuis 10 ans qu'il y a un bled qui s'appelle Kazoo, qui est entre les trois petits territoires qu'il a tout à l'ouest et le reste de son territoire, et il l'a toujours pas pris. Du coup, je me disais que j'allais lui laisser, mais s'il continue à rien faire... Si tu lui chips ça, il va être bien embêté. Ouais. Ouais, mais tu m'as dit qu'il était nul. Bah oui, bah justement, il pourra pas te taper dessus s'il est nul. Ouais, et en plus, t'as une... Si tu chopes Kazoo, tu verras plus en avance s'il essaye de te taper dessus ou pas par ce secteur-là. Ouais, je sais pas, faut que je réfléchisse à la question. À mon avis, c'est pas une menace. Surtout s'il fait partie de notre fédération, il va pas pouvoir t'attaquer. Ouais, mais peut-être qu'il va quitter notre fédération exprès, du coup. Oui, bah dans ce cas-là, on le déglingue. Ah oui, c'est pas spécialement compliqué. Ah oui, c'est vrai, les rivalités, je vais pouvoir cracher nous sur mon voisin. Insulté, hop. Nickel. Ah, mais ça tue les démons qui sont en train de tous se battre l'un l'autre. Putain, mais je produis beaucoup trop de... Oh là là, ok, bon, on va acheter des ressources alors avec ça. Ah puis tiens, tu vas acheter ça aussi. Ouf, ah oui putain, t'en achètes un cas, ça coûte un bras par contre, mais c'est très bien. Hop. Comment ça, autoriser le trade des organiques. Soutenir. Qu'est-ce qui... C'est une bien bonne mesure.
les mesures qui autorisent le commerce des esclaves organiques. Nous, au Maigrevis Aquatic Park, on serait ravis de faire ce genre de le marché. Pas le les esclaves, mec. Non, un poste d'écoute, c'est bien, c'est un poste d'écoute. Je l'ai mis à la frontière avec Misan, mais zut. C'est au cas où, si jamais j'entends des bruits de couloir me concernant. Alors attends, je vais juste améliorer ma flotte stellaire, du coup, juste devant. Mais c'est préventif, bien sûr. Ouais, non, mais voilà, c'est, tu comprends, on a besoin de vérifier chacun qu'on a des technologies... le jour où on sera en guerre, on sera content de pouvoir s'en servir, quoi. Mmh. C'est quoi un inhibiteur PRL? Je sais pas, dans le doute, ne le fais pas. Propulsion rapide lumière. Donc dans la station de Bastel en Occident, il y a un truc qui va vite, quoi. C'est ça qu'il faut comprendre. Non, c'est un inhibiteur. Et donc? C'est-à-dire que t'es obligé de capturer la station avant de pouvoir passer à la suite. Ah bah de toute façon si je voulais taper Bastel, je serais obligé de passer par là normalement. Mais attends, j'ai pas construit d'inhibiteur moi. C'est automatique. Ah bah voilà, d'accord. C'est pas mal. Voilà. Ah putain, le siphon énergétique, il a été construit très vite. Géné clinique. Oh parfait, ça c'est pour les vieux. Hop. Idéal. C'est pas les gènes. Hein? La géné clinique, c'est les gènes, c'est pas la gériatrie clinique. Ouais, bon, mais ça a l'air clairement d'être conçu pour les vieux quand même. Qu'est-ce que t'es en train d'y trafiquer avec des gènes, Bastel? Ouais, Bastel, hein. Ouais. Écoutez, je fais des expérimentations. On est dans la même fédération, donc vous avez pas droit de critiquer. Voilà. Curieux. Non mais quoi, on est potes ou pas là? Oh. Wesh. Allez. Je sais pas moi, depuis que il y a une personne du Royaume Champignon qui est passée par Sigma Ball, c'est le bordel, donc je commence à faire attention. T'as fait que quelques recherches archéologiques, voyons. Ah, t'avais le droit de faire des recherches archéologiques sur des secteurs qui t'appartiennent pas? Je sais pas, j'avais une quête. Il fallait des spécimens aliens. Ah ok. Trop fort ça, tu peux vraiment construire deux carrefours commerciaux, enfin ça fait vraiment du gros commerce quoi après. J'espère que je vais gagner plein de thunes avec ça. Oh, je passe plus un excuse scientifique. Observatoire de trous. Pastel enfin. Non mais c'est pas drôle hein. Non, effectivement. Mais au moins ça a le mérite d'être clair. Je crois qu'il y avait une de mes planètes qui s'appelait Oseius, hein, mais en fait, non, c'était Oselius. Je suis un peu déçu du coup. C'est vrai que c'est dommage. Mais tu peux toujours la renommer. Oh là, un signal. Alors, autorité batracien. Ah tiens, j'ai un bonhomme que je pourrais... Oula, oula, qu'est-ce que c'est que ça? Eh, mais c'est une station à moi, ça. Eh, mais c'est moi qu'on essaie de tabasser, là. Oh, fais chier, putain. Ça sort d'où, ça? Ah, mais c'est les rançonneurs de leur grand mort. Ok, bah très bien. Y a pas de problème. On va aller les voir. Putain, en plus, les rançonneurs, ils sont vraiment faibles, quoi. C'est vraiment honteux de devoir ça. Groupe.
Tout a été construit par ici. Oh non, mes enfoirés de voisins m'ont encore insulté. Faudrait qu'ils arrêtent. Oh non. Ah, y a un moment où ça va être l'insulte de trop. Vivement d'ailleurs. Ah putain, mais attends, la plateforme de défense, elle a moins de force que les mecs qui l'attaquent. Mais elle arrive quand même à avoir l'ascendance sur eux, je comprends pas comment elle fait. Ships upgraded. Je sais pas. T'as une réponse sur I4. Genre pourquoi une plateforme qui a 151 de puissance de feu domine une un équipage qui a 200 de puissance. Parce que là, un vaisseau de transport. Je sais pas. Non, c'est des pillards. Hein. Bah, ils vont finir par gagner sûrement. Ou alors ils sont très mal équipés. Bon, en tout cas, j'ai mis une plateforme de défense en plus quand même. Du coup. Déclaration de guerre. Les Oginolux. Oh, contre mes voisins. Donc il y a les hommes chouettes qui sont contre les oursons. Les oursons un peu périmés là. Maudits. Du coup, moi je peux venir dedans et taper encore par-dessus. Oh, c'est parfait. Ouais, les pierres ils sont vraiment nuls quoi. Genre vraiment, ma station de d'améliorer leur casse la figure. C'est trop drôle ça. Bon bah écoute. Hein. J'ai pas de recherche à faire. Bon, alors je vais en envoyer une ici. Analyser toutes les. Special project complete. Ah. Oh non, j'ai pas réussi à accomplir le sauvetage de l'équipage, mais du coup, j'ai eu bonheur moins 10%, putain, alors que j'avais gagné la bataille. Ça, c'est trop triste. C'est vraiment tragique. Mais le bonheur, je sais pas trop comment ça marche. Est-ce que c'est. Personne ne sait, Bastel. Ouais, non, mais je veux dire. Est-ce que ça pose des problèmes si les gens sont malheureux? Parce que bon, je veux dire, on se fait pas. Oui, quoi. Salut, Taïop. Tu ouais. Poses vraiment cette question, Bastel. Ouais, non, mais je sais pas, moi. Moi, je m'en fous un peu du bonheur de mes concitoyens. C'est pas passé dans l'oreille d'un sourd. Ouais, mais après ils se révoltent et ils font des colonies indépendantes. Ah oui, c'est vrai, mais ça c'est pas vrai. C'est la dernière fois, c'est juste que il y avait des mecs, ils étaient sous la terre, ils ont surgi en disant qu'ils étaient pas contents. Ça n'a aucun rapport. Faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Hein. Ah, citadelle, c'est ce que tu peux faire de mieux, il y a pas au-dessus. Intéressant. Oui, exactement, c'est jeu de stratégie militaire, après ça dépend si tu veux faire de la baston, mais oui, stratégie dans l'espace. Ships upgraded. On est où dans l'espace? L'ultime frontière, Bastel. Dans l'espace. Ouais. Hyper strong. Oh, forteresse stellaire. J'ai hâte d'avoir une forteresse stellaire, ça a l'air giga fort. Giga cher aussi, donc j'espère que ça vaut la peine. Ouais, bah bien sûr, hein. Hop. Et elle est où celle-là? Ah oui, elle est là aussi, ouais, bah elle aussi. Oh là là, les stocks d'alliage ils sont en train de fondre, mais à une vitesse.
test de recherche. Victoire scientifique supérieure à tout. Oui. Encore faut-il réussir à la faire. Bon allez, et bah moi du coup je vais aller prendre le fameux territoire qui reste qui n'a pas été pris par l'Union Soviétique de Kobar depuis 100 000 ans. Bravo Bastel. Non mais bon, là je pense qu'ils vont vraiment en vouloir par contre. Faut bien que je vérifie que je leur ai laissé le passage. Qu'est-ce qu'ils vont faire Kazoo. Oui. Écoute, mais pourquoi personne l'a prise déjà? Ça c'est un grave problème. Hein. T'es pas d'accord avec moi? Quoi qu'ils ont pas d'argent. Ouais bah voilà, bah si c'était gros nul, il y a un moment il faut. Wow. Alors attends, Kobar. Puis bon, j'en profiterai pour me racheter des troupes, moi, comme ça c'est important. J'en profite pour faire. Oh attends, qui se bat avec moi? Élection du conseil. Quoi? Élection du conseil se tient dans l'ordre. Alors moi, quand je clique dessus, j'ai le Sénat, mais... J'ai peut-être pas bien compris. Si, si, c'est ça. Ah non, le Sénat, il vote qui rentrera dans le conseil. Bah, j'espère qu'il votera. Rah, les champignons me sont passés devant d'un coup. Comment c'est possible? Ah, ça, c'est... étonnant. Malheureusement, bon, mais c'est vrai, ne voteront pas pour toi. Bon, en même temps, moi, je veux dire, si les membres du conseil pressenti sont l'Empire démocratique de Hanomonde, le Royaume des Champignons et le Maigrefils Aquatic Park, ça me va. Le poids diplomatique le plus important, ouais, bah... En fait, à la limite, ce que je comprends pas, c'est pourquoi j'ai un poids diplomatique aussi faible. Hein. Mais je crois qu'en fait, je sais, c'est parce que j'ai 3 diplomates. C'est parce que tu as 76 en puissance au complet. 76 Ce qui est très peu, le reste c'est à peu près normal je crois, à comparer avec tes voisins. Mais où est-ce que tu vois tout ça? Moi je vois pas... Bah, quand tu survoles ton chiffre d'influence, il y a écrit d'où ça vient ton influence. Oui bah oui. Bon bah les autres ont un peu plus puissance de la tout, mais surtout... Je vois pas écrit puissance... Je vois rien et concernant la puissance de ma flotte quand je passe la souris sur influence. J'ai juste la production, base, faction, rivalité et la consommation. Ou alors j'ai dû rater un truc. Ah oui, non. Influence dans le Sénat. Dans le Sénat. Ah oui, dans le Sénat. Alors, enfin, qui pourra avoir le gouvernement? Bah, je peux pas le voir, mon poids diplomatique. Ou alors j'ai raté un truc. Attends. Tu rentres dans le Sénat? Oui. Et tu vois la communauté galactique. Ouais. Et tu vois le classement et donc tu mets ton... Ah oui, si, ok, d'accord, oui, c'est faux sur le chiffre, d'accord. Alors, puissance de la flotte, ouais, bah oui. Ouais, ouais. En vrai, c'est juste 100 points de plus, vous avez des trucs de ouf. C'est genre les populations aussi. Chez Prini, ça croît et ça se multiplie, dirais-je même. Et ce sont des champignons. Putain. Enfin, les choses vont pouvoir avancer. Oh, les salopards. Ah, mais salut, on passe dans l'autre étage maintenant. Ouais, non, niveau technologie, vous. Ships upgraded. Ah, que vous êtes en retard. Ah oui, puis ça va, il y a 7100 tours avant la prochaine élection. Bon, bah tranquille. Profitez bien de vos 7100 mois au service du plus grand bien. Toujours. J'espère bien. Bon, ah oui, ce que je voulais voir, c'était Kobar, moi, à la base. Kobar la D. Kobar toi-même. Alors. Ouais. Oh bah si mes frontières sont ouvertes, bon bah tranquille, du coup il va pouvoir. Passer, hop. Research complete. Les GAFA ont déclaré la guerre au Kormatani, ça nous concerne ça? Non. Non. À la bonne heure. Alors je sais pas pourquoi il déclare la guerre, parce que j'ai quasiment tout... Ah si, il y a des morceaux là. Hein. Ah c'est excellent ça, il y a les chimères de combat qui sont révélées et qui ont fait leur propre gouvernement. Aïe.
Les hommes pigeons, ils ont fait... C'était des esclaves destinés au combat, juste. Les hommes pigeons, ils ont fait tout le tour depuis chez moi, juste pour attaquer depuis la zone de Assanise. Attends, mais comment ils ont fait? Bah ouais, c'est de la stratégie. Ah mais attends, t'as vu tout le tour qu'ils ont dû faire juste pour aller là-haut? Ships upgraded. Intégration. Oh. Les systèmes faux-façants se font intégrer dans les systèmes panurés. Qui les faux-façants? Allez, je vais me faire une forteresse stellaire à côté de... Enfin, sur Occident. Ah si, les faux-façants, ils sont en contact avec l'Union Citoyenne de Kobar et Panuré. Ils sont en dessous de la méchoulache. En dessous de tout. Ouais, je vais en profiter pour tabasser aussi mes voisins, du coup. Ouais, doucement, hein. Fin de la menace, c'est tout? Ah mais j'ai pas d'autre choix, apparemment. Il y a plein de monde chez... Ah oui, mais c'est l'Empire déchu, ça, c'est pour ça ils ont 30 000 monde. Le Bavi quelque chose là, ils sont il est violent au niveau des troupes. Déclarer la guerre aux Oginolox. C'est la guerre, hein. J'en ai ras le bol de ces gens. Pas mal tourné ça. Hein. Moi je m'en fiche, de toute façon je suis pas là. Je suis pas là. Jusqu'au moment où les Oginolox en panique viennent et te prennent une planète parce que ils savent que t'es juteux. Miam miam. Oh franchement, faudrait déjà qu'ils traversent tout le système de mise en, moi je suis tranquille. Moi, ouais, les seuls qui pourraient être chiants, c'est Kobar, et Kobar, ils sont très bien. Ah, mais les pigeons, ils font le tour jusque tout au nord à la frontière. Non, mais ils sont pas... Ils sont timbrés, ces gens. Incroyable. Ah tiens, il faut que je... Ah mais tiens, c'est vrai, ça, la lassitude de guerre, elle a atteint 100 de la part de Cormatani et Onoir et Xenon, putain. Oui. Mais ils occupent un truc. Non. Ah non. C'est toi qui occupe des trucs? C'est moi qui occupe plein de trucs. D'accord. J'ai pas encore envoyé mes robots géants sur la planète. Ah, j'ai des points de trait à décerner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, des robots géants. Tu combats avec des mechas? Des formes de guerre et ça fait à peu près, ça fait 236 avec une unité. Qu'est-ce que c'est un point de trait? Dites. C'est des trucs de civisme peut-être? Ah non, c'est pour les populations. Ouais. Ah bah bon courage pour trouver quelle population a un point de trait en plus. C'est le champi mignon. Alors. Alors tu peux faire une nouvelle version des champignons mignons. Ah, je peux créer un modèle. Ah, c'est ça le truc. Ouais, avec d'accord. Des nouveaux traits. Ah oh, putain, c'est trop cool. Des traits très très réguliers. Très piou 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 piou. Une population qui sera. Y a pas des fonctionnaires là? Grégaire, tout en ingénierie, non. Apprends vite, robuste, économe. Ah! Champi mignon, champi. Research. Champi, mais en mieux. Hop! Champi en mieux, aïe! Vilain. Hop. Voilà, j'ai créé mon modèle. J'espère qu'on en verra plus. Non, ouais, ils ont. Oh putain, j'ai 3 points de trait pour mes crapauds. Oh putain. Ouais. Bah du coup, je veux pas modifier le modèle, je veux en créer un nouveau. Renommer l'espèce. Ah, les Chantari commencent déjà à bouffer partout sur les Oginolox. Faut que je me dépêche de bouffer aussi un petit peu, sinon il restera plus rien. Désormais les supratraciens, puisqu'ils auront 3 points de... Oh là là,
Oh, ils peuvent être très forts. Oh putain. Mais non. Attends, ils sont où les compétences administratives? Intelligents. Oui. Ingénieux. Putain, vénérable espérance de vie de la personnalité plus 80 ans. Waouh. Bah, l'anneau monde contre les facilités régulatoires. Bah tiens donc. Qu'est-ce qu'il faut et pas vos voir dérives, vos dérives libérales ne sont pas tolérées ici. Et pourtant, vous n'avez pas le... Il n'y a pas de réforme qui augmente les trucs liés aux fonctionnaires. Bon bah du coup, on va juste prendre... Qu'est-ce qu'ils vont être les... un bon batracien, un supratracien, quelle est sa capacité? Il est intelligent, bah oui, il est intelligent. Intelligent et apprend vite. Oh oui, allez hop. Oh le pauvre. Galaxie crapaud. Ils sont là. Hop là. Oh les pauvres, ils sont en train de... Excellent. La bande de fous. Putain, je vais faire un carrefour commercial absolument indécent là. Il va y en avoir. Merde, ils ont bouffé déjà ici, les enflures. Putain, il me reste encore des points de trait non dépensés, mais arrêtez. Je vais quand même pas aller faire des histoires génétiques avec tout le monde quand même. Bon, enfin, si vous insistez. Comment ça, Victoire? Oh non, qu'est-ce qui se passe? Proposition de paix. Victoire fait chier. Vous avez fait la paix, c'est bien. Non, je crois que c'est, mais une c'est paix parce que j'ai par pris le jeu. Toutes les. Ah non, j'ai pas pris toute cette planète. Bon. Là, le problème, c'est que t'as fait preuve de trop de violence. 5,2K, ah, ça fait beaucoup quand même. Peut-être. J'avais pas vu. 5,2K quoi? De défense, moi j'ai tapé là-dedans en mode allez c'est parti, mais il y a peut-être un peu beaucoup là. Qu'est-ce qu'on ferait avec... Qu'est-ce qu'on fait de Cobar au fait? Genre moi... Est-ce que je peux leur dire de faire demi-tour? Si j'ai moyen de les... Non, c'est trop tard. Une fois que j'ai lancé un assaut, je peux pas... Ah si, je peux dire battre en retraite quand même. Allez, allez, je crois en vous. Oh la vache, ça fait peur! Putain, mais l'amélioration des vaisseaux, ça coûte un hyper cher en ressources matérielles. Il fait quoi là? Il y a zéro. Ah là là. Moi, je vais perdre mes troupes là-dessus alors. Putain, je suis en train d'utiliser tellement de ressources pour améliorer toutes mes plateformes. C'est assez ouf. Oh putain, le champi mignon, il a déjà un... Ah non. Attends, non, ça c'est pas vrai. C'est pas ça que je veux. Champi mignon mieux, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais mes champignons? Oh, rien. Je t'inquiète, je fais rien. Pour l'instant. Idil. Ah putain, mais attends, si je peux appliquer le modèle d'espèce à des pop éligibles, combien ça coûte? Research complete. Si je veux appliquer le modèle, ça va créer Galaxie Crapaud, ouais, très bien, c'est quoi? Il faudra 16 mois et ça va stopper toutes les recherches en sciences sociales, putain. Ouais, bah très bien, je suis prêt. Ships upgraded. On intègre encore des membres de notre communauté. Oh. Ah, ça arrête oui, pas. En même temps, c'est un peu les...
C'est tous les ouaves d'indépendantistes là, ils sont casse-pieds. Oh, permet le croiseur, bah ouais, tiens. Après tout, il paraît que je suis supposé devoir m'occuper de mon armée. Ah, oh, les forteresses stellaires, putain, ça c'est beau. En effet, oui. Attends, qu'est-ce qu'il y a au max? Oh putain, c'est les crédits, fait chier. Ouais, puis tiens, on va acheter quelques alliages pour la même occasion, en fait. Incoming transmission. Research complete. Oh là là, ah oui, d'accord, putain, la qualité de ressources collectées, très bien ça. Ouais, non, clairement, vous, à un moment, en fait, ça va être vraiment intéressant de venir attaquer Kobar, non? Pas trop. Sûrement pour les gens qui sont dans le coin, quoi. Oh, j'ai eu des spécimens aliens à profusion là. Ah, les Chantori ont pas aimé que je bouffe un morceau. Et donc, ils essayent de revendiquer un. Oh, les enflures. Parce qu'il y a un casus belli, il utilise les schlags. Oh les filous. Indication à alien. Ils ont fermé leur accord de recherche aussi. Ah, ils ferment les frontières, ils arrêtent tout là, ça y est. Ah, c'est terrible. Sinon diplomatique. Tout ça parce que j'ai osé bouffer un morceau, parce que moi aussi je suis en guerre. Et alors parce que quand eux ils en bouffent des morceaux, moi j'ai pas de casus belli. Mais quand c'est l'inverse, là... C'est grognonieux, hein. Là ça va plus. Oh, les raiders que j'avais envoyés il y a un bail pour faire chier les voisins, ils se sont enfin lancés pendant qu'il y a la baston en plus. Mais ça tombait bien parce que le traité, l'accord de recherche, il servait pas du tout notre peuple, c'était surtout bénéfique pour les autres cassos. Attends, sérieusement, seule la présidence est autorisée à construire les vaisseaux de la fédération? Putain. Genre vous pouvez faire des cuirassés et moi j'ai pas droit. Il faut avoir la science, quoi. Non, seule la présidence. Oui, tu peux faire des cuirassés et des croiseurs et des battle cruisers là. Oui. Mais c'est du coup, ça va à la fédération, c'est pas ta. Non, mais ça n'a aucun intérêt. Faut qu'on travaille tous ensemble. Ah oui, pardon. Vous voulez l'en construire, hein. Oh, ils sont en train de leur rouler dessus. C'est brutal. Bah c'est mes voisins là qui sont en train de... L'Empire déchu qui est en train de foutre la merde. Ah, il s'est réveillé. j'ai payé mes voisins barbares là pour qu'ils tapent les Oginolox et ça y est. Eh hey mec, viens, on tabasse machin. Ah, c'est exactement ça. Et moi je vais arriver après avec mon petit vaisseau pour essayer de capturer le reste.
là là, c'est beau. Ça, c'est fifou. Et partez pas trop vite, les gars. Pas que la base se refasse, je suis pas encore arrivé. Putain, il faut que j'arrive à choper celle-là. Ah, c'est bon. Oh yes. Non ? Si. Ok, du coup, ça c'est normal. Bon, bah, ça va peut-être être l'heure de. D'aller faire des putains de flottes. Research complete. Ah, nous avons terminé les modifications apportées à l'espèce Galaxy Crapaud. Nice. J'espère que vous allez apprécier ce que vous allez voir, parce que les Galaxy Crapaud, c'est pas des pécores. Et du coup, si j'ai bien compris, on moque ma puissance militaire, donc il faut que j'en fasse une grosse. Oui. Question d'honneur. Très bien. Alors, 14, 15, 16, 17, 18. Voilà. C'est un peu comme si le Monténégro venait dire franchement, arrêtez de vous moquer. Tu peux me redire le nom du pays, s'il te plaît, j'ai pas entendu. Le Monténégro. Oh. Quelque chose ne va pas, Bastel. Tu veux que je le répète encore? Oui, vas-y. En plus, t'as bien pris le temps, genre tu l'as bien coupé en deux, quoi, c'est magnifique. On va se faire bannir si je le répète. Bon, bah voilà, donc tu sais quoi, tu sais ce que tu fais. Très bien. C'était ça que je, dont quoi je voulais être sûr. Absolument pas. D'accord. Non, c'est toi qui m'a fait penser à ça. Non, mais tout à fait, à force d'en parler sur GeoGuessr. Avec non, mais tes mouvements que... de sourcils interposés. Tout à fait exact. Bon, allez, on va faire aussi quelques destroyers chez nous. C'est con que je puisse pas faire de croiseurs chez moi, mais que je puisse en faire pour la Fédération, ça, c'est quand même... Après, je crois que je suis en train de me préparer à les débloquer, je suis plus sûr. Incoming transmission. Traité migratoire, ouais, t'inquiète, pas de problème. Ouais, TKT. Par contre, ces enflures maintenant de d'hommes pigeons, ils m'ont bloqué une partie des troupes. Les hommes pigeons. Oh, fais chier. Comment je vais faire ? Je suis bien bloqué. Cool, cool, cool. Putain, il faut vraiment que j'achète plus d'alliages en fait. Spaceport under attack. Total des ventes de minéraux, 175 000. Bon, ça va, on voit que j'apporte mes sous de Zeus. Il reste encore quelque chose à faire avec mes vaisseaux de construction, pas trop. Ouais, non, mais bon, il va falloir que je les rapproche. En même temps, ça m'agace, j'ai aussi un endroit où il y a genre 10 000 de puissance d'armée, du coup, bon, bah forcément, je suis un peu vexé à l'idée de pas pouvoir, moi, de pas pouvoir lutter d'une quelconque façon que ce soit contre ça, quoi. Ou alors, faut vraiment que je crée vraiment plus de vaisseaux. Spaceport lost. Je sais pas. Un jour on sera assez fort, t'inquiète. À n'en point douter, ouais. Oh merde, j'ai deux grosses flottes en plus qui sont bloquées. Je pensais que c'était qu'une seule, mais non. Ah, est-ce que si je les... Ouais, je les fais bastonner. Et je les fais partir en retraite directement. On va faire comme ça, parce que... Autrement, il faudrait que je fasse la guerre pour passer.
sa puissance de flotte est équivalente. Putain, Cobar a une puissance équivalente à la mienne. Putain, ça c'est trop nul. Ah, c'est bizarre, c'est quoi ce truc psychique là? Quand des gens le voile. Ils font des marabouteries. Attention, je vais te marabouter, tu vas voir. Research complete. Comment tu fais pour obtenir des cristaux, des gaz exotiques, pardon? Faut les miner ou les récupérer. Faut c'est une recherche préalable. Oui, faut une recherche pour ça. Ouais. Et ensuite, d'accord, c'est disponible dans certains secteurs. D'accord, parce que je les ai toujours pourvus. Et la valeur commerciale, je sais toujours pas quoi en faire. Genre, elle apparaît sur mes planètes, mais. Ça sert à rien, genre tu constates juste que la valeur existe. Ça génère de l'argent. Bon, très bien, bah ça génère de l'argent alors. Oui. Non, oui, 308 balles quand même de commerce, bon très bien. S'il y a de l'argent, alors tout va bien. Oh, les flottes sont pas prêtes pour faire boum boum. À quoi ça sert d'avoir des voisins qui aiment bien bastonner s'ils sont jamais prêts pour ça? Ça c'est bien vrai. Je les ai payés, puis au final tout ce qu'ils ont fait c'est taper un seul secteur. Un peu décevant. Oh, je peux maintenant faire un bombardement avec la peste. Waouh! Qu'est-ce que tu fais comme recherche, Prini? C'est une relique de la peste. Oh, trop bien. Oui. N'est plus tendu au Sénat. Facilité régulateur. Une loi galactique. Hein, quoi? Oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Le Sénat a voté sur la résolution. Facilité régulateur, c'est quoi ça? J'ai même pas vu ce que c'était comme loi. C'était les fameuses facilités régulatoires. Oui, mais encore. C'était la dérégulation du marché. Voilà. Et ça a voté non? Ouais. Et comment ça se fait? Non. Comme quoi les gens ont su trouver en eux. Non, il y a eu des marabouteries sans doute parce qu'on était censé gagner le vote. Ouais, mais les IA elles votent pas tout de suite. Mison, est-ce que t'as mis des plateformes de défense sur Revac? Attends, faut que je vois où c'est là parce qu'il y a certaines de mes troupes qui sont en. Plateforme de défense. Alors, j'ai quoi là-dessus? Oh, j'ai la matière noire. Ouais, si t'essaies de taper, tu risques de... Oh, t'en as mis que deux? Bon, d'accord. Oui, voilà. J'en mets deux aussi, du coup. Non, mais si tu veux venir taper, c'est le moment, parce que moi, je suis en train de mettre toutes mes troupes ailleurs. Je suis pas là pour me taper, je suis là pour parce qu'on est bons amis. Bon, bah, dans ce cas... Vous êtes bons copains. Exactement. Oh, la matière noire. Oh là là. Quelqu'un veut acheter mes planètes? Pardon. Ah mais j'ai non, trop de planètes. J'ai pas encore la technologie pour exploiter la matière noire, crotte. Comment est-ce qu'on abandonne une planète? Oh bah enfin. La pauvre planète. Ouais, j'allais dire. Je vais leur dire à tes concitoyens à quel point tu tiens à eux. Non mais c'est juste, ça sert à rien d'être sur une planète si on a des anomondes quoi.
je veux dire, il y a même encore celui de... Purée, j'en ai... Non, mais t'es pas obligé de te justifier. Ah non, il n'y en a qu'un seul qui a été rénové, ok. Bref, il y a encore une place libre en plus. C'est trop bien, quand t'es en guerre, tant que tu t'approches pas du centre de... du secteur, ça enclenche pas la baston avec la base stellaire. Ce qui fait que je peux peut-être ramener mes troupes pas dans le No Man's Land sans les faire se faire massacrer. Sauf s'ils ont un bloqueur. Ouais, mais j'ai pas vu de choses comme ça, donc pour l'instant ça va. Ah oui, normalement il y a un petit magnet rouge. Donc, ah non, ils ont pas de truc comme Bastel. Malgré les 6K. Oui, surtout c'est ça qui me faisait peur. Donc on va passer discrètement sur le bord. Qu'est-ce qui se passe, J'ai pas compris ce que tu essaies de faire en fait depuis tout à l'heure. Alors, si tu regardes la map, les hommes pigeons ont bloqué un morceau au nord-nord-ouest de chez les méchants Ouginolox. Ah oui. Et bah là, il y avait mes troupes dans la partie qui m'appartient actuellement. Sauf que comme il a fermé les frontières cet enfoiré, je pouvais plus passer. Et donc là, je suis obligé de faire passer mes troupes dans le secteur ennemi. En espérant qu'ils se fassent pas oblitérer par les défenses un petit peu puissantes. Ah oui, effectivement. Donc je fais le visiteur, je passe tranquillement d'un secteur à l'autre en évitant le milieu. Ça marche. Oui, ça marche très bien. Pas dégueu du tout tes petites flottes là. Ah, le croiseur, enfin. Research complete. Hey, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Hey, mais ça c'est des bâtards. Hey, vous. Razalag, mais putain, mais c'est quoi ça? Death Pact, Pirate Fleet, putain. Bon, bah, très bien, je vois. Bah, enfin, Bastel. Maudit pirate. Zut. Research complete. Ma petite station, ma pauvre station. Je peux même pas lui faire construire. Ah si, j'ai peut-être le temps de lui faire une plateforme de défense. Mais elle va se faire soulever en moins de deux. Vassalisation demandée, waouh, trop. Oh là 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 là. Ah si, demain, merde. C'est bon, non? Je zute les pirates, hein. Vraiment de villes engeances, hein. Bon. Ils m'ont complètement décanillé la plateforme, oh là là. Pas cool. J'ai dit qu'il fallait améliorer régulièrement des. Oui, mais c'est pas. Mais, ça n'a... mais c'est une station qui a aucun rapport là. Si t'as construit une station, c'est-à-dire qu'il y a du commerce, donc il y a tout un chemin qui va non, passer... Non, c'est pas une station, justement, en fait, c'est juste un truc quelconque au milieu de mon système. Ah oui, mais il y a tout un chemin qui passe, par exemple, entre Magama et... Potentiellement, si... J'en sais, le machin, il fait 30 000 km. T'as aucune station sur le chemin. Bah... Attends, Nagama. Bah, tout à gauche, premier machin en allant vers la droite. Tout à gauche, premier machin en allant vers la droite. Oui, Magama, ouais, tout à fait, j'ai deux stations, c'est vrai. Donc ça fait des routes de commercial qui font tout le couloir. Oh. Il faut mettre sur le chemin, du coup, des stations. D'accord. Oui, bah j'ai encore de quoi en faire, mais du coup, c'est-à-dire que genre à Ozelus, faut que je fasse une station, à Rubis, faut que je fasse une station, tout ça. Ou j'ai rien compris. On met dessus. Par exemple, une à Diptaphorou. Ouais. Puis, ah non, t'en as une à Savasik. Bah en oui, vrai, Diptaphorou, s'il y a deux trucs là, ça va. Et ensuite encore une à Iriani ou je sais pas quoi. Ah oui, d'accord, ok, je vois ce que tu veux dire. Bon bah très bien, on va se monter ça. Tranquillou. Bon et puis pendant ce temps, Doomgar qui commence à devenir un peu the place to be pour construire des bons grosses unités qui tâchent. On va
va faire du bon gros croiseur là, ça commence à gêner. Ça va aller hein, les pillages à la con. Genre les mecs m'ont vraiment, mais putain ils sont venus, ils m'ont lavé. Bah très bien. Bon après ceci dit c'était vraiment, ouais. Hostile fleet detected. Ah mais oui parce qu'en plus non Razelag. Ah oui si putain Razelag c'est research bon, complete. Hein. Il peut commencer à complexer à une bonne partie de mon système en fait s'il est là comme ça. Attends, c'est vraiment un nœud qui. Il y a intérêt à ce que ça se. À ce que ça se batte hein. Allez. Plus vite. Oh, poids diplomatique 10%. Oui, enfin plus 10%. Permet le bâtiment complexe des ambassades. C'est pour les ambassades qui sont un peu complexées. On va mettre en montant au niveau 3 de la fédération aussi. C'est vrai. Bon, en même temps, j'ai toujours pas vu le. Ah, voilà, ça y est, ça va se battre. Oh purée, ça se déboîte immédiatement. Les pirates sont dans les choux. Ça vous apprendra à faire les beaux, bande de salopards. Special project complete. Hop. Merci d'être passé surtout. Bim, on a récupéré le module servant de chambre forte, ça c'est bien. Nous vous prions d'accepter ce don en symbole du bon vouloir de la démon Dominions envers la méchoulache. 1480 crédits énergétiques et une faveur. En passe. Bon écoute, oui hein. Je pense qu'en fait les mecs c'est des bureaucrates, ils ont l'air de vouloir... apprécier, enfin ils ont l'air d'apprécier ma bureaucratie. Moi je trouve ça bien. Oh, ils sont terrifiés par ta fortification de la bordure. Oh, ouais, pourtant il n'y a pas grand chose à. Enfin bon, le truc à Doomgar, ok, mais ouais. Ouais, peut-être. Après, payez-moi, hein. Moi tu sais, ça, j'accepte, généré. Accepte les pots de vin. Ah bah toujours, enfin je veux dire, quoi ça sert sinon. Ships upgraded. Hop. Ouais bon, bah, toujours plus de bases stellaires, toujours plus de préfectures, on va faire ça. Pourquoi j'ai fait une station à Razelag? Ouais, quoi qu'en vrai, une station à Razelag, c'est pas une mauvaise chose parce que j'en ai pas du tout dans ce coin-là. Il y a encore des chômeurs dans cette, dans ce superbe endroit, putain, mais c'est ouf ça. Décidément. Ouais, hein. Malgré tous nos efforts là. On peut pas échapper au chômage. Ouais, mais là. En fait, c'est ça ce qu'il faut que je fasse avec mon argent. Plus de flotte.
Ah, on peut upgrader les centres, les laboratoires de recherche en centres scientifiques. Oh, ça c'est giga chouette. Ships upgraded. Research complete. Research complete. Complexe, complexe. Exactement, Master. Sur I4, ouais, bon, je sais pas. Pour toi, quand est-ce qu'on. Enfin, est-ce qu'il faudrait finir par attaquer Cobar ou pas? À ton humble avis. Oh, frais du marché moins 10%, mais bien sûr. À mon humble avis. Est-ce qu'il y a des ressources particulières qui traînent chez eux? Comment est-ce que je vois ça? Putain, il est mort à l'âge de 100 ans, le vénérable scientifique. Mais j'arrive pas à voir ce qu'ils peuvent... Je sais pas ce qu'ils ont comme ressources. An alien empire has established communications. Affichage pour montrer les ressources. S'il y en a un, alors je ne le connais pas. Alors, quelles civilisations me sont écrasantes supérieures? Ah bah oui, bien entendu, les empires déchus, ça on s'en fout. Supérieurs, Suricate, Prini et Misan me sont équivalents. Bah tu t'es bien relevé, Bastel, alors. Non, parce que ton niveau technologique est toujours supérieur, mais bon, en tout cas tant mieux aussi. Si je m'en sors bien, ça me va. C'est parce que je me suis bâti une armée. L'homme pigeon Shantari risque d'être un peu embêtant. Ce truc là depuis le début, j'ai plus. Je suis jamais allé construire par là, pourquoi? On va vérifier ça tout de suite sur le pourquoi. Ça se trouve, il y avait une flotte, mais c'est trop bizarre. Construction complete. Bon, enfin, je crois que j'ai atteint à peu près le maximum de ce que je peux construire sans devoir aller empiéter sur les terres de quelqu'un. Donc c'est peut-être maintenant qu'on va, bientôt qu'on va envisager de tabasser nos voisins. Research complete. Pour le bien de la galaxie, cela va sans dire. Ah bah toujours. Oui, attends, mais... Je vous tape dessus, mais c'est au nom d'un intérêt supérieur, du coup, accepté. Étendez l'autre joue, SVP. Sinon, la guerre contre les Oginologues, c'est... Bah, c'est long, parce qu'en fait, à chaque fois que j'ai fini d'améliorer mes vaisseaux, bah, j'ai une autre charge, et donc du coup, je continue de les améliorer. Et au final, ils partent jamais en guerre. Et comme les hommes-pigeons sont déjà en train de foutre la merde, j'ai même pas besoin de faire quoi que ce soit.
Du coup, bah, j'ai tapé Durt. Genre, c'est à moi, mais c'est pas à moi quand même. Et ça, je comprends pas. C'est à moi, mais en fait, non. Oui. C'est pas normal. Je vois pas pourquoi c'est pas à moi. Hein, c'est pas à toi parce que t'as pas fini la guerre encore. Ah, parce que oui, t'as mais... aussi pas capturé la planète. Comment je fais ça? Avec des soldats à pied. Oh bordel. Bon. Est-ce qu'ils sont ces glandus? Hop, vous. J'ai déjà dû passer par là. Je compatis avec toi, Mizan. Je vais embarquer. Allez hop, embarque. Ça a marché? Je sais pas ce que j'ai fait. Research complete. Je crois que c'était pas ça. Technologie dangereuse? IA de combat consciente. Bah, qu'est-ce qui est dangereux là-dedans? Oh bah allez, quoi. Oh. Ouais, c'est une IA, enfin. Hop. Non mais, faut arrêter d'avoir peur pour rien. Oh putain, le giga carrefour commercial que j'ai sur ma gamma, ça régale. Hein. Fin du pacte commercial, bah enfin arrêté. Oh, il réessaye, mais vous êtes chiant là. Arrêtez de taper cette base. Laissez-la tranquille. Bande de vilains. Putain, ils sont assez nombreux pour la faire tomber cette fois-ci. Faut que je rappelle de nouveau mes potes mercenaires du sud. C'est embêtant ça. Ouh, ah oui, effectivement. Oh, ah oui, belle bataille, que voilà. Ah, j'aime pas trop ça, mais bon. Ouais, forcément. Peut-être que j'ai le temps d'arriver avant que ça soit le la merde. Ah, t'as peut-être bien. Tes flottes, à chaque fois t'as des trucs différents. Ah, voilà, c'est bon. Tiens bon, ma grande. La cavalerie arrive. Ils sont où? Ah, ils sont là. C'est quoi ça? Oh, c'est pas pour moi, je m'en fous. Dépêchez-vous. Oh non! Non! Comparé à la nôtre, sa puissance de flotte est écrasante. Non! Oh non. D'où Jésus? Vite! Vite! Yes! Oh, ça s'est joué, mais oh. Au poil de fesses, je vois même plus la vie qui reste à ce truc-là. Ah bah oui, venez, venez les potes. Vous allez où comme ça? C'est des transports de troupes, ils vont se faire rétamer. Coucou! Ah, il faut avancer là, vous faites quoi? Il y a de la baston. Ils peuvent pas se battre, hein. c'est des... Bah si, ils peuvent se battre, allez. Voilà, il n'y a plus rien. Bien, ouais, je... Bon. Lui est toujours en orbite. En chemin. Phew, ben là encore une... Ah, et voilà, c'est passé à 100% maintenant tellement il a pris une douille. Pas de chance. Hein. Aïe, 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 aïe. Quelque chose de drôle peut-être? En fait, ton but de guerre, c'est l'annihilation, non? Ouais, au forcément. Final, hein. Ça va prendre un petit moment. Tu peux pas les convaincre de s'annihiler tout seul. C'est bien un habitat orbital? Enfin, les habitats orbitales. C'est super, mais je te recommande de les faire autour soit d'une planète qui fait de la science, soit d'une planète qui fait des minéraux, soit d'une planète qui fait de l'électricité. Parce que, de base... t'as pas grand chose si tu le fais autour d'une planète où il y a rien.
D'accord. Bon, après, ceci, je vais pas le faire tout de suite. Mais quand ce sera possible, j'envisagerai de le faire. Voilà. Attends, qu'est-ce qui est plein là? Y a rien qui est plein. Pourquoi vous m'embêtez? Oh, c'est bien. K, ça fait beaucoup. Ah, j'ai trop d'influence. Mais comment faire pour dépenser mon influence? Ouais, non, ça va, ça, je crois que j'ai trouvé. Est-ce que tu peux avoir plusieurs décrets actifs en même temps ou pas? Je sais pas. Oui, mais si tu dépasses le quota, ça fait de trucs administratifs en plus. Ah oui, j'ai que 1 sur 1 de décret. Putain, bah comment faire pour dépenser de l'influence alors? Ben tu mets un dédit quand même et tu souffres de ton administration. Putain, mais mon problème c'est que j'ai trop d'influence en fait. C'est débile. Oh, je vais quand même pas faire ça, c'est stupide. Non? Si, c'est stupide. Non, non, objectivement, c'est pas grave si si mon influence est en excédent, quoi, elle déborde un peu, mais bon. Vassalisation demandée, ah non, c'est pas moi ça. Putain, mais les trois zigotos des démons chez Kobar, c'est vraiment la blague du siècle, quoi, c'est incroyable. Et d'ailleurs, comment tu fais pour pouvoir promulguer plus de 1 décret à la fois? Il y a aussi des recherches qui peuvent être faites? Je sais plus. Je crois que c'est un truc politique. Peut-être les rois et les empires. Les dictatures et les empires. Ah, crotte, ça c'est encore un problème de la démocratie, putain. Construction complete. Je crois que j'ai trop de thunes. Invasion d'une planète. Est-ce que j'ai fait une bonne chose ou... Ah non, il n'y a pas assez. J'ai même pas vu qu'il fallait plus de gens que ça, moi je croyais que c'était juste hop, je mets des gens, mais pas du tout. Comment je fais moi pour aller là-dedans? Bah tu fais une armée qui fait plus que la leur, donc ça fait plus que 260. Là c'est ses armées à lui. Suffisait d'y penser, oui. Putain. Oui, des loups. 260, bon bah c'est reparti alors. Pff, comment je fais ça? Attends, les Stellar Marauders. Putain, mais je clic, 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 clic. Un accord de recherche avec Zurikat. Bon bah je suppose que je vais devoir accepter. Si ça peut faire en sorte que mon influence passe dans quelque chose. Ships upgraded. Ships upgraded. Tu peux pas, genre y a pas des histoires d'influence que tu pourrais utiliser lors de la diplomatie avec un tel ou un tel? Non, hein, on s'en fout. Si quand tu demandes une faveur, ça utilise de l'influence. Ah. Ah oui, oui, c'est vrai, j'ai vu ça. Bah tiens, allez, je peux aussi l'utiliser pour lancer des appels au vote. Ships upgraded. Mmh,
bouclier levé a été voté, mais c'est vraiment de la merde ici, le Sénat. Je sais pas ce qu'ils ont dans le cerveau, ces gens-là, mais c'est de la compote. Parce que c'est moi qui l'ai envoyé. Ah non, j'ai pas envoyé ça. Pouvoir conférer par son siège une mesure d'urgence soutien aux déclassés. Mais c'est quoi ce bordel? Et ouais, ça commence à devenir un petit peu là. Étudier pour perdre un peu d'influence. Moi j'ai pas de chômeur, donc je vote non. C'est la mort de la démocratie, ça. La guerre contre les Oginologues, elle dure. Quoi, t'appelles un appel au vote la mort de la démocratie? Ah, une mesure d'urgence, oui, ça c'est. J'ai pas vu ce que c'est, mais ouais, sûrement non. J'ai pas lu, mais non. Ouf. Alors que la standardisation des xénologismes, ça c'est quand même plus cool. N'hésitez pas à soutenir mes propositions. On a atteint le niveau 3 du coup. Sanctions limitées sur la recherche. C'est embêtant. J'ai beaucoup de troupes d'enfoirés qui foncent sur moi. Payées par je sais pas qui, mais. Je peux même pas les payer en mode laissez-moi tranquille. Je vais être obligé de me prendre une claque du coup. Cool. Prohibition du commerce des esclaves. Je sais que quelqu'un ici a voté. A fait le bon vote, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Je suis d'accord, Bastel. Ships upgraded. D'ailleurs, en soi, je vois qu'il y a plein de trucs qui sont proposés, comme quoi tu peux améliorer des vaisseaux un peu partout, tout le temps. L'amélioration, elle permet de faire quoi? Quand t'améliores tes vaisseaux, qu'est-ce qui se passe? Ships upgraded. Ça augmente leur puissance. Moi, je crois qu'ils sont plus puissants, ouais. Mais quand tu fais des recherches technologiques, il faut après les mettre en place. Ah oui. C'est okay. Comme ça que je vois le truc, en tout cas. D'accord. Ships upgraded. Et on va acheter des alliages. Research complete. Putain, mais le jour où j'apprends que j'ai une puissance de feu supérieure à celle de Cobar, mais upgraded. Ça va tellement chier. Et sa puissance de flotte, elle est toujours équivalente à la mienne, c'est hyper vexant. Alors que je monte croiseur sur croiseur, mais on a rien à cirer. Quel salopard. Et de son côté, en train de faire exactement la même chose. Peut-être. Incoming ouais. Transmission. Udarstativ. Bon, après ceci, j'ai toujours. Putain, j'ai tellement de croiseurs qui sont en train d'être faits, c'est trop drôle. Oh, j'ai gagné la colonisation souterraine. Ça a l'air très bien, ça. Bon, il y a Savasik aussi, on va commencer à turbiner un peu les croiseurs. J'ai plus d'alliage, mais j'ai fait des croiseurs. Très bien. Oh, ils ont utilisé un trou de verre. Oh. D'accord, c'est pour ça qu'ils sont barrés aussi loin. Allez, oh, bon, c'est super. Ok, je sais que Bastelland est. Quelle flotte à 3 étoiles qui arrive. Quelle flotte à 3 étoiles?
Oui, bah c'est les mercenaires quoi qui ont été payés par quelqu'un, mais je sais pas qui. C'est pour ça qu'ils se sont barrés. Je regarde chez Visan, c'est lesquels les mercenaires 3 étoiles. Tu peux faire tout le tour de la galaxie pour venir t'aider si tu veux. Ouais, enfin 7,8K. Putain, attends, c'est les mecs qui sont à Walzirin là, qui sont en train de te taper dessus ou c'est autre chose? C'est... Non. C'est quoi leur nom? J'arrive même pas à voir. Bavi Freeholder, les gens qui sont juste... Putain mais c'est quoi? Calmez-vous là, j'ai eu 3 alertes d'un coup. Un monstre hurlant et sifflant est apparu dans le vide de l'espace, des serres géantes... Enfin, avec ses serres géantes, il a saisi la navette archéologique transportant l'équipe de fouilles et les revendicateurs. Oui. Bon bah super, ça va écoute, je perds 10 ans ou même 20 à faire cette fouille à la con. Putain, le grand dragon quoi. On a eu la malchance de rencontrer l'assaillant de la horde de rats. Ce dragon doit avoir été attiré là par des trésors innombrables. Salut Kame avec son raid de 2. Merci. Qu'est-ce qu'on fait? 69 MDR. Et 69 MDR. C'est très le MDR, on va traduire les cris d'animaux pendant qu'ils se ruent sur nous. La recherche, toujours la recherche. Hop. Est-ce que j'ai autre chose encore? Ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Ouais, comme si c'était pas suffisant, j'ai des enfoirés à Bastelland qui ont tout détruit. J'ai un dragon géant maintenant juste à côté de ma capitale. Et bien sûr, j'ai pas mes troupes chez moi. Elles sont toutes ailleurs. Y a pas un seul des alliés qui lève le petit doigt pourquoi au-dessus de ça, surtout moi je trouve ça honteux. Ouais. Ok, deux secondes, j'ai encore géant, il va rester dans ce système là, c'est pas un gros truc. Les rats couinaient, leurs os craquaient. Maintenant votre tour de chatouiller le ventre de l'éclat. Oui, vous avez pas été sage du tout, mes petits. Le rubricateur appartient à l'éclat. Est-ce qu'on lui rend le rubricateur? Je sais pas, il a l'air de le vouloir avec quand même beaucoup de détermination. Ça peut aussi aussi. C'est vrai. C'est un gros truc que quand même. L'économie peut se permettre de rendre le rubricateur. Vous pourriez être pote si vous étiez pas en train de vous battre sur la gueule. C'est quand même un grand dragon, ça fait un peu peur. Ouais, moi perso, si un grand dragon me demande de lui donner un truc, en général j'accepte. Puissance militaire tête de mort, bon. J'ai des doutes quand même quant à mes capacités, surtout que. Tête de mort, c'est la première fois que je vois ça en vrai. Pareil. Est-ce que c'est à dire que c'est. Est-ce que c'est un ennemi qui est vraiment très fort s'il a une tête de mort sur les 4? Bon bah je lui ai donné le rubricateur. Je peux pas savoir à quel point il est fort et qu'il est vraiment très fort. Il a essayé de bouffer mon vaisseau. Ah! Il vient de défoncer la base en un seul coup là, je sais pas ce qui s'est passé. Moi bon, j'aurais pas dû lui filer le rubricateur. Où sont mes troupes? De toute façon t'as pas trop le choix, si tu lui files pas, il te saute dessus quoi. On se tourne les news du massacre qui a eu lieu chez moi, c'est genre « Ouah, trop bien, un dragon géant !» Excellent, ouais, est-ce qu'on a pris des photos? Ah bah il en a eu marre. « Cam is Stone is raiding with a party of two raiders. » Je sais pas de quand ça date, mais merci à lui. Station under attack. Aïe. Complete. Des pierres débarquent sur Bastelus Prime. Alors ça, le voyou, c'est pas bien. Hein. Mais entendu, j'ai dit que c'était pas bien. Bon bah qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai perdu le rubricateur. Il est 23h02. Ah bah oui, on peut s'arrêter là. Ouais, mais après... Il me faudrait encore quelques petits moments. One moment. Mais Cobar, il ah, le temps d'acheter des partisans, c'est ça? Partisans? On était censé gagner encore ce vote, mais bon. Je vois qu'une fois encore. On a un vote? Ouais. Est-ce que je peux demander des faveurs? Sur le commerce des esclaves? Non, sur quel vote? Les réfugiés, là, les trucs comme ça. Oh oui, mais ça... Soutien aux déclassés. La méchoula, je vote de toute façon avec moi, donc je ne vois pas... Ouais.
Exactement, on est une fédération. Ah, ça c'est bien. Il y a eu un vote de dernier moment, c'est... J'applaudis. Je sais pas... Ah, mais c'est les étoiles. Souverain Panuri qui ont rejoint le bon côté. Ah, mais c'est vrai, putain, merde. Attends, soutien au déclassé, faveur du... Ah, bah, il réfléchit bien à ce que tu fais, Bastel. Ouais, ouais, mais attends, je vais réutiliser une faveur. C'est quand même pas n'importe quoi, hein. On est sur 20 points de poids diplomatique. Hein. Ah. Voilà. Eh mais putain, merde, c'est hyper équilibré en plus. Hein. Hyper équilibré, surtout parce qu'il y a quelqu'un qui pèse pour la moitié, quoi. Ouais, non. Ça, j'appelle pas ça très équilibré, mais bon. Ah bah, membre du conseil, émissaire, tout ça... Qu'est-ce que tu veux? Multirôle. Prilly, hésite pas à changer d'avis, hein. Ça dépend, tu m'offres quoi? Mais moi, je sais pas, au pire, tu... Attends, est-ce que je peux te donner des faveurs? Je regarde si je peux faire ça. Je vais te filer des faveurs. Salut Yonali, je vais juste pour dire que le titre du stream est nul, au revoir. Ouf. Yes. Aïe. Alors, je sais pas comment on fait pour donner des faveurs à quelqu'un. Peut-être que je peux pas faire des faveurs avec un joueur humain. Oh, c'est trop triste. Bon, bah tant pis. Du coup, j'ai rien à proposer des autres. Non, mais le vote de Prigny est très bien. Research complete. En plus, la plupart des abstentionnistes commencent à voter comme il faut. Et il faut quand même pas mal de nations juste pour contrebalancer un seul vote. Ouais, bah écoute... Bon, la démocratie ici... Ah bah, objectivement, c'est comme si tu comparais le poids du vote de la Russie à celui de tous ces petits satellites que dans l'URSS précédemment, quoi. Je n'entends pas t'as assez. T'as mis Discord trop bas. Oui, apparemment. Moi, je vous entends très bien, mais je vais augmenter l'audio du bureau, du coup. En espérant que ça suffise. Mais en fait, Osef, je préfère la tienne. Ah bah, très bien. Et oui, ça a très bien avancé. On a le méchoulache par Bastel qui est arrivé au sud. Et oh punaise, mais ah oui, d'accord, j'avais pas regardé plus avant, t'as tout bouffé. Ouais. Bah écoute, c'était là quoi. Et moi, je me suis fait attaquer par un dragon géant sorti de nulle part. Voilà, c'est ça. Franchement, j'ai hâte de pouvoir bouffer l'Union citoyenne de Kobar pour pouvoir vraiment avoir ma bonne petite Russie quoi. Là, c'est vraiment. Mais bon. J'ai reçu une proposition honteuse. 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 Des faveurs là. Attends, qui fait ce genre de choses là? Moi je putain, pense hey, que on a s'il faut à ce point faire voter ça, c'est qu'il y a quelque chose de louche. Le soutien est déclassé, mais. Surtout non, que mais ça vient de la nation qui a les 12,5K d'influence. Research complete. C'est hey, d'accord commerciaux. Mais... Je viens de demander une faveur à un mec et il est dans la liste des ennemis, ça c'est vraiment honteux. Excellent. Oh. Excellent, mais il me filait du fric alors que je suis déjà en excès des minéraux alors que j'en revends chaque mois parce que j'en ai trop. Ouais, non, ça... T'aurais pu t'en servir des alliages. Oui, mais j'en ai 10K et pour l'instant je sais pas quoi en faire. Sinon, tu préfères peut-être des biens à la consommation. Non, non, ça me va très bien. Alors, tu vois, le fait que tu veuilles à ce point faire ce vote, ouais, ça me... Sur les casques, ouais. J'aime pas trop moi, ça. Moi, je fais du roleplay. Non, mais... Sont les panuries ont pas osé voter contre moi. Clairement faf, hein. Là, moi... Ça va très bien, Yonali, un peu claqué, mais on s'amuse bien. Ouais, clairement, si on était sur Secret Hitler, moi, je connaîtrais le rôle de Surigat immédiatement. Sont-ce des choses qui se font? Je ne crois pas. Très, très sus, hein, si vous voulez mon avis. Ah, super sus, là. Par contre, tu restes quand même en partisan, toi. Oh bah moi, tu sais, d'ailleurs c'est vrai sur I4, tu payes les autres mais tu me payes pas moi, alors que moi je suis avec toi depuis le début. Alors est-ce que qu'est-ce qui te ferait plaisir? Bah écoute, je sais pas dans quel... Non bah un petit accord commercial, des trucs, moi j'ai besoin... En fait j'aimerais juste avoir...
le plus vite possible des troupes pour niquer Cobar, mais c'est tout. Du coup, si t'as moyen que d'une manière ou d'une autre j'atteigne ce but plus rapidement, je prends. Ah, malheureusement. Eh bah tant pis, bah du coup, pour la peine, je vais pas changer mon jeu. Ah bah super. Non, non, mais en vrai, c'est pas grave, moi je vais maintenir mon vote parce que moi j'apprécie l'idée, je suis un grand humaniste dans l'âme. Eh, attends, qui me tire dessus. Point de civisme non dépensé. Ah, j'ai ça, moi. Attendez. Bah voilà, tu savais pas quoi faire de ton influence. Je vois même pas comment tu fais pour dépenser les points de civisme. Il faut aller dans le gouvernement et cliquer sur réformer le gouvernement. Ah, réforme de régime. Mais pourquoi est-ce que je ferais ça? Oh, attends. La Otaga Marauders. Ah, les flottes des Otagas sont maintenant disponibles pour le mercenariat. Oui, super, c'est cool, j'en ai rien à cirer. C'est bon à savoir. Oh putain, ils continuent de bastonner. Ils sont où déjà? Ils sont là. J'ai peur. Système parlementaire. Ouais, ils ont déjà... Research complete. Corps diplomatique. Peut-être que ça pourrait être utile, un corps diplomatique. Non, attends, il n'y a pas un truc avec des trucs vénères, politique impitoyable. Ah non. Allez, retour à l'est. Super. Méritocratie, partage le fardeau. Les peuples sont déclassés bien plus rapidement, mais c'est terrible ça. Tous travaillent de concert, au besoin de tous. Non, allez, mais ça partage. Veut dire que si un spécialiste au chômage, il va plus rapidement devenir ouvrier. Ouais, mais c'est pas cool ça. S'il est au chômage. Il y aura de nouveau un truc de spécialiste, il aura qu'à devenir de nouveau spécialiste. Ouais, bon, allez, partage du fardeau. De toute façon, il y a un logo en forme de faucille, c'est forcément bien. Allez. Hop. Hein. Ils sont chiants, ces oursons démoniaques. Là. Les quoi? Ouais, les voisins en fait, casse-bonbons. Ouais. Ah, ici. Ils sont toujours en guerre d'ailleurs contre eux. Non, ils sont juste rivaux. Ah, fait chier, faut que je fasse trade la paix aussi. Quoi, Bastel, tu refuses les trade deals, mais je croyais que. Quoi, j'ai fait quoi? Ah, mais tu l'as laissé. Elle est arrivée avec exclamation. Oh non, mais moi je rejette rien du tout. Repropose-moi une que je l'accepte. J'avais pas vu. Tu sais que moi je suis quelqu'un. Extrêmement, je suis un paillasson diplomatiquement parlant. Moi j'accepte toutes les propositions qu'on fait. Jamais je me serais permis de faire une chose pareille. Hop, voilà. Là je clique et. Faveur 10 1 Attention, Bastel. Putain, tous ces gens qui croient que je vais accepter sans lire. Bon bah, j'ai lu et du coup je clique sur le bouton refuser. Ah zut, ouais, je m'explique. Oh. Hein. Ah voilà. Ouais non, j'ai honteusement accepté, je ne suis qu'une patate. De toute façon, je peux pas te faire voter deux fois pour la loi. Eh par contre, on perd à 60 points près là pour la loi. Ouais, c'est ballot hein. Ouais, qu'est-ce que tu comptes faire pour qu'on reste du bon côté de l'histoire? Moi j'essaie d'augmenter mon poids diplomatique, mais c'est pas facile, et puis j'en ai pas tant que ça, quoi. Non. Oh. Quoi? Ça a bougé de nouveau au dernier moment. Achète les faveurs de qui tu veux, là, mais il va falloir... Les pas nourris, ils ont pas envie de faire comme nous. Non, ils osent pas. À chaque fois, ils font genre, ils vont voter pour les opposants, puis ensuite ils se désistent, puis ils reviennent, puis ils se désistent. Putain, ils en ont une toute petite, hein. Oui. C'est pas que. Enfin bon. Voilà. La diplomatie, c'est pas comme ça que ça se fait. Si, tu mets des coups de pression, vraiment. Oui, non, mais je veux dire, c'est pas, eux, ils savent pas la faire, c'est ça que je voulais dire. Si, c'est ce qu'ils font, ils mettent des coups de pression, là. Oui, ils attendent une compensation financière.
T'es sûr, Bastel, de ce que tu veux faire? Il te reste encore 50 tours pour réfléchir. Mais c'est quoi le problème du soutien aux déclassés? Réfléchis, Bastel. Si tu veux faire une victoire diplomatique, tu fais ça comment? Je sais pas. Moi, je sais pas en comment gagner. En payant de l'argent aux chômeurs. En votant surtout, des lois bleues. Je viens de voter une politique qui fait que le déclassement va augmenter à mort. Voilà, Bastel, on s'en souviendra. Eh putain. Et les lois bleues permettent de gagner avec une victoire scientifique, et bah très bien. Non. Bon, alors je sais pas. Mais dans tous les cas, moi je vois vraiment pas quel est l'inconvénient, et comme dit, étant donné que ma politique va demander, va créer beaucoup de déclassements, hop, hein, pousse vers le haut. Ah, c'est encore. De la merde, j'avais fait faveur du, au final le gars il est pas venu. Donc j'ai pas compris. Moi aussi c'était un bâtard, j'ai fait faveur du et le mec a voté contre. Peut-être déjà pour toi. Non, il était en abstentionniste. Ça. Donc je comprends pas, c'était le gars à 2K qui aurait pu faire balancer justement le vote, mais... Ouais, c'est ouais. Pas comme s'il votait déjà d'un côté ou de l'autre. Non, il était abstentionniste. Partage du fardeau, c'est communiste, fais attention à ton avis, ces gens sont peu recommandés. Ouais, Suricat, fais gaffe aux gens qui prennent le partage du fardeau. Franchement, je trouve ça vachement bien, la politique partage du fardeau. Je dis pas ça parce que je l'ai prise, ouais, mais parce qu'il y a une faucille dessus. De toute façon, en soi, j'ai pas de sympathie avec le communisme particulièrement. Mais ah bon. Oh, écoute, il s'avère juste que c'est ce qui fonctionne le mieux dans mon système, mais voilà, quand je trouverai une meilleure idéologie, j'en changerai. En attendant, c'est la meilleure. Je suis un... Les reptiliens sont avant tout des pragmatiques. Si ça marche, on le prend. Et on verra. Si la plus grosse puissance diplomatique du royaume te dit vote avec moi, tu votes avec elle et puis c'est tout. Bah voilà quoi, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Décevant, Bastel. J'ai proposé une loi qui mettra tout le monde d'accord. Aïe aïe aïe, attends, je vais regarder ça tout de suite. Quelle loi tu vas faire passer? Donner le droit de veto au conseil. Oh bah non, moi je m'oppose à ça. Je suis pas dedans, mais j'aimerais bien en être. Le jour où j'en serai, ça sera pas comme ça. Hein. Pourquoi tu veux Toto vétoer? T'as peur que le conseil soit composé de 2/3 de membres qui pensent pas exactement comme toi? Au hasard. Non, c'est chaque membre du conseil qui peut mettre un veto sur une loi. Ouais, c'est bien ce que je dis. Ouais, bah si jamais il y a une loi, on n'a pas envie, on peut dire non. Mesure d'urgence. J'ai pas envie. Par exemple, s'il y avait une loi... Tu l'as mis en mesure d'urgence. Non, c'est moi qui l'ai mis en mesure d'urgence parce que je votais non. C'est trop dangereux, ça. En mesure d'urgence. Quoi? Mais tu veux pas ton propre veto? Non, parce que ça t'en donne un aussi. Tu me prends pour un con. Objectivement, ça c'est le pouvoir d'une seule personne. Encore, tu vois, la loi sur le déclassement, moi j'ai pas de problème, mais le veto du conseil... Oui, c'est pas très démocratique. Au contraire, enfin oui, c'est ça, c'est parce que c'est... Surtout si vous êtes vraiment... vous restez pas d'accord. Ouais, mais vous allez créer une impasse. Dans les impasses, en général, il y a Jacques Chirac qui arrive pour dissoudre l'Assemblée Nationale. Sauf que là, ça ne marchera pas à l'échelle galactique. Bah ça sera dissolution, mais dissolution physique. Ouf. Et ça va faire un peu plus mal. La fédération qui va s'écrouler très vite. Est-ce que un bonhomme avec la tête de mort, c'est prenable avec 10K troupes? Je pense pas. Je sais pas ce que je vais faire de ce dragon là, parce qu'il casse les bonbons. Qu'est-ce qu'il fait? Tu peux pas lui envoyer un petit émissaire? C'est un peu comme avec les empires déchus, hein. faut vivre avec. Parce que tu pourras rien en faire d'autre. Ouais, mais lui, il me bouffe une de mes cases où il y avait Pastellus Prime dessus. Où il y avait... Ah non, c'était une planète non habitée, non, ça va en fait. Mais je lui ai donné mon Rubik's Cube. Et ça, c'est pas bon. On n'est pas lui donner. Bah, je pensais qu'il allait se calmer, mais... Bon. Du coup, si je le bute, il me rend mon Rubik's Cube. Ouais. Bon, bah, allez, on va lancer, on verra. Si 10K, ça suffit pas. Moi, je veux voir ça. Je pourrais pas faire mieux. D'abord, on va aller réparer. Et ensuite, baston. Ah, mais je peux envoyer ma propre flotte, maintenant. J'ai fait un titan, normalement. Ah, oh, il est toujours pas fini. Upgrade. Non, bah je ferai ça la prochaine fois, là. J'ai envie de mettre le titan avec pour voir si ça aide.
Oh mais putain, arrête de me casser les bonbons avec machin là. Je crois qu'il faut voilà. 10, 30 à 40k pour que ça passe. Oui, c'est le Rubikator, oui. Ou le Rubik's Cube, mais... Bon bah du coup, c'est pas pour tout de suite. Ships upgraded. Ah, j'ai une flotte 3 étoiles, ça. Je vais devoir cohabiter avec ce schlag pendant un moment. Ships upgraded. Ah bah très bien. Des mots très rudes. Ça ne me rend pas très jouasse, Master. J'ai pu entendre ça. Allez, j'ai enfin dopé mon poids diplomatique. Logement communautaire utopique. Oh non, ils sont revenus. Pourquoi vous faites ça? Ils sont chiants, les nounours. Les hommes chouettes, ils leur laissent le libre passage et du coup, ils peuvent reprendre un tout petit morceau bien casse-bonbon. Ouais, bon, ça putain. Du coup, c'est bon pour ce soir? Pour vous. Bon, comme vous voulez. Mis en pause, bon. Faites vos derniers trucs. Ouais, moi j'ai déjà fait mes derniers trucs. En attendant que Cobar les zouaves deviennent vraiment faiblards, ce qui n'est toujours pas le cas. Ah si, non, sa puissance de flotte est inférieure, bah super. Prochain stream, on va attaquer Cobar. Oh, la baston chez Bastel. J'espère bien. Ça commence à faire un petit moment qu'ils m'embêtent là avec leurs oeuvries. Mais voilà, et bah du coup ça s'annonce prometteur. La suite au prochain épisode. Dimanche prochain, exactement. T'as sauvegardé Zurikat? Non, mais je vais le faire. J'étais en train de regarder mes relations et 30k, le top 40k, des relations, le dragon. C'est la méchoulache. Ouais bah écoute, hein, voilà. Des bonnes relations avec la méchoulache. Les reptiliens, ils sont amis avec tout le monde. Va savoir pourquoi. Ensuite, ils c'est les champignons et ensuite, c'est les maigrevis. Si on veut avoir du réseau, un bon réseau, il faut savoir être pote avec tout le monde. Comme ça, après, on peut faire des trucs hyper tordus. Les cercles des reptiliens sont très très larges. Et ben, du coup... Merci pour cette bonne soirée, et j'espère que la prochaine fois, on aura encore plus de décisions contestables qui vont se produire. Et j'espère aussi contester, du coup. Avec Zurikat à la manœuvre. Je vais à base de faveurs et autres dessous de table. Ouais, on verra ça dimanche prochain, du coup. On s'arrête pour ce soir, vous souhaitant, bien sûr, la bonne nuit. Bonne nuit. Au revoir. Au revoir.